Dit tout le monde bonsoir, puis une information nous a gagné pour nous développer pour après-midi dans le journal ça au commissariat Nations Unies qui est en tête de Michel Bachelet et une agence Nations Unies qui défend droit monde dénoncer attaque Jovenel Moïse fait contre indépendance la justice dans pays d'Haïti après le fin arrêté un juge et il forcer trois autres juges prend retraite d'après ça et agence Nations Unies dénoncé et il dit le fait que Kembe reste l'autre pour être arrêté ensemble avec juge Ivikel da Brésil dans prison c'est un zak gros point et gouvernement de facto à commettre dans cadre crise politique et institutionnelle qui a passé pays. Conférence en comité mobilisation citoyen pour respect constitution rencontrer la presse journée jeudi pour bail détail rencontre qui fait dans local secteur démocratique là Delma 60 sous diverses initiatives jeudi au temps main pour poursuivre mobilisation pour exiger Jovenel Moïse respecter constitution selon un dirigeant secteur démocratique et populaire M. André Michel dans intervention il dit saluer engagement divers secteurs dans la vie nationale là pour forcer Jovenel Moïse quitter palais national là li bay garanti n'a cité transition politique qui pral temps main après Jovenel Moïse fin quitter pouvoir c'est pral un modèle transition qui a gain pour en bas bannière et vigilance en citoyen et vigilance patriotique et li promet tout le monde qui a gain pour faire partie de transition ça y a gain pour rendre compte par exemple faut que déclarer bien au gain et li lancer un appel bay communauté internationale là pour demander accompagner population dans bataille pour respect constitution. Toujours dans même conférence pour la presse ça, c'est responsable organisation Vive Haïti Ronnie Timothy qui lui-même te gain responsabilité pour publier un nouveau calendrier mobilisation qui déjà en activité calendrier ça puisque on prévoit demain jeudi à demain après dans la rue lundi même Jean tout. Et gagnant artiste engagé Kléber Bastien avec dirigeant organisation des forces d'Elma madame Magali Lacroix qui te prend la parole tout dans conférence pour la presse ça à la tête Mokrena ancien député Sadrak Dieudonné critiqué Jovenel Moïse malgré mandat fini li rete dans palais à côté le Kembe et pouvoir et li fait connait li pas capable organiser élection li promet yo et li dénoncer comportement dans façon de kembe pays en otage et puis gagnent tout responsable nous là docteur Louis Gérald Gilles qui était quoi ligne a bougé dans ça qui concernait communauté internationale là commencer puis bien comprendre et dossier pays d'haïtien le l'a regardé par exemple déclaration ambassade américaine qui dit clairement pour démocratie efficace faut gagner un pouvoir judiciaire qui est indépendant. À la tête condamnant Edouard Porte, gagne presque même lecture là, li fait connaître sous plan international, peuple haïtien presque gagne bataille opinion publique là, il attendait tout ça qu'a dit et pendant il fait un plaidoyer en faveur pigo mobilisation encore dans pays pour forcer Jovenel Moïse quitter pouvoir. Il y a plusieurs dizaines d'étudiants université Port-au-Prince qui étaient manifestés dans la rue Port-au-Prince journée jeudi pour continuer dénoncer kidnapping professeur Abdias Edumé et professeur Bandi Axab kidnappé depuis dans semaine là et puis il a demandé un pile à paquet l'argent étudiants qui demandaient kidnapper libérer otage sans condition t'es allé devant OPC avec ministère la justice et pour demander l'état pour prendre responsabilité puisque pas fait rien dans question qui gagne à revoir ak kidnapping. Dans actualité internationale là, l'armée birmane autorisé la police de tirer sous manifestants yo. Journée jodi a manifestation a continué malgré répression. Bilan gen deux moun ki mouri, yon trentaine les autres blessés. Dans pays la Russie, opposant historique devant Vladimir Poutine, Alexei Navalny, yo condamné deux fois non seul journée, yo parle de gain 10 000 euros amende pour le payer pour affaire diffamation, mais on l'autre parle pour passer 2 ans et demi en prison ferme dans un camp travail. Ces décisions ça, la justice qui sous qui pas indépendant dans pays la Russie prend compte et principal opposant
et qui levé campé contre Vladimir Poutine qui c'est un nouveau tsar dans tête pays la Russie. N'a gagné pour nous parler de conquête spatiale sous Mars non et avec persévérance qui a voyé un paquet d'images mais tout sous terre inondation qui touchait plusieurs quartiers dans capitale pays Indonésie Jakarta. N'a parlé tout de plusieurs autres points dans ça qui concerne santé, là où ici détecté un premier cas et côté grippe aviaire qui c'est grippe généralement bête prend tant coup et poule H5N8 là et bien il a détecté pour la première fois grippe ça moun prend dans main bête et c'est ça chercheur oui sur fait connaître. Ces informations ça quand pile l'autre va gagner pour développer pour après-midi à dans journal ça. Ancienne présidente chilienne et Michelle Bachelet dénoncé hier attaque et gouvernement de facto Jovenel Moïse fait contre indépendance la justice dans pays d'Haïti après li arrêté un juge qui fait partie de Pigo tribunal pays li accusé soi-disant tentative coup d'état contre lui juge la cour de cassation Ivikel Djejus da Brésil qui parmi 23 moun yo te arrêté mais finalement c'est 18 moun qui t'est arrivé et devant la justice et dans la nuit 6 pour l'ouvrir 7 la nuit besoin 2 heures du matin quand ça t'a arrêté yo la caillou et gouvernement Jovenel Moïse dan accusé yo d'après avoir yo t'a fait une tentative pour te renverser et pour raison ça tout li voyait 3 juges dans retraite là dedans et juge da Brésil. Agence Nations Unies qui a défendu droit mon au commissariat fait connait juge la cour de cassation ensemble avec au moins 22 autres monde yo té arrêté dans la nuit 6 pour l'ouvrir 7 février dans des circonstances qui capable là bien gardé c'est ou bien arrestation illégale qui fait dehors de la loi ou bien arrestation gros point d'après sa porte-parole au commissariat Nations Unies qui a défendu droit mon nom Liz Trossel déclaré pendant yon point de presse qui t'a bail dans ville Genève dans pays la Suisse côté et au commissariat gen quartier général juge nan yo la gueule mais gen 17 l'autre monde qui toujours fermé dans prison préventive d'après sa porte-parole au commissariat Nations Unies k'ap défendre droit moun nan dénoncé. En plus de ça li fait connait gen 3 l'autre juge parmi yo juge da Brésil et Jovenel Moïse forcé au prend retraite yo et li remplacé yo l'el nomé et l'autre monde et dans cadre d'une procédure li dit apparemment qui irrégulier d'après sa porte-parole au commissariat Nations Unies qui a défendu droit moun nan rapoursuiv pour dit trois juges ça yo fait partie de opposition politique qui considérait mandat Jovenel Moïse en tant que président li bout depuis 7 février pour au commissariat événement ça yo vin encore et mettait en cause séparation trois pouvoirs en Haïti qui donc exécutif là marché et sous pouvoir judiciaire nous gain en pile tête chargée devant situation ça yo les n'a regardé dernière attaque qui fait contre indépendance la justice en Haïti vinn joine instabilité politique et institutionnelle c'est au même cap mené quoi là dans pays ça toujours selon madame Trossel au commissariat Nations Unies lancé un appel bay autorité yo n'a cité pour yo respecter cadre juridique ak institutionnel pays a cadre qui déjà établi et mandé gouvernement ak opposition pour yo t'attend mon dialogue constructif bon le commissaire rien doit pas au courant de toute bagaille et il pas connaissait trop tard et l'ouvrir et yo toute et pour non chita pour ka éviter et tension pas monter plus haut et pour ka résoudre impasse politique ak impasse institutionnel Haïti trouvé la donne journée jodia. Haïti yo rappelé a vivre en bon gros tension politique avec en pile mobilisation citoyen yo a faire k'ap dénoncer dérive gros poète et pouvoir tête calé Jovenel Moïse dan qui vient de facto depuis 7 février c'est moi qu'ajoute Jovenel Moïse et fait connait mandal dans tête pays a about 7 février 2022 mais date ça et un bon parti dans population haïtienne levé campé contre lui dénoncé il fait connait mandat 5 ans monsieur about
7 février 2021. Désaccord ça, c'est à cause date l'elle te prend pouvoir puisque te gon première élection et qui était annulé pour magouille et puis après elle vient passer dans élection même élection et yo te et continuel et puis elle vient passer un an après donc selon ça par exemple cher Louis Joseph Janvier dans université Kiskeya qui fait une analyse technique démontrée c'est ça yo relé parti qui dérogatoire dans constitution qui pas fait partie du parti général là parce que yo prévoit et si gon problème mais qui gens pour appliquer constitution et dans ça qui concernait mandat président Haïti pas gen parlement depuis un an et président ça décret l'étape gouverner ça qui fait journée jodi a pas gen confiance population perd du confiance net dans gouvernement et opposition politique là li même li choisi un dirigeant intérimaire et c'est juge Joseph Mécène Jean-Louis qui pour t'apprend tête en transition c'est une dépêche agence France Presse qui rapportait déclaration porte-parole au commissariat Nations Unies et qui a défendu droit monde faut que nous dit bon côté Nations Unies secrétaire général là bien que en pile dans parole et Guterres se paraît en confusion puisque nous connaissons origine c'est Binu qui a soutenu Jovenel Moïse qui voye au Bali et ben il fait déclaration devant Conseil de sécurité pour dire et gouvernement haïtien incapable pour protéger droit citoyen yo droit pour yo vivre droit pour gain sécurité qui est-ce qui dit ça secrétaire général des Nations Unies hein? Devant Conseil de sécurité à la date 11 février qui s'est passé là selon portugais Antonio Guterres il fait qu'on est violation droit moun ak attaque k'ap fait sous droit sa yo à poursuivre en Haïti particulièrement dans contexte côté gagné face à face entre groupe qui dans rivalité et dans zone métropolitaine probablement parler de gang armé et il dit tout et gain menace et concernant zak intimidation contre organisation dans société civile là ak organisation qui a défendre droit monde et c'est constat ça il fait mais malgré ça Nations Unies déclaré a gagné élection a gagné référendum conférence comité mobilisation citoyenne pour respect constitution rencontrer la presse jeudi dans local secteur démocratique là qui tabine dans Delma 60 parler de diverses initiatives yo en main pour poursuivre avec mobilisation pour forcer Jovenel Moïse respecter constitution dirigeant secteur démocratique et populaire maître André Michel dans intervention le fait saluer n'a cité engagement divers secteurs dans la vie nationale là pour forcer Jovenel Moïse quitter palais national maître André Michel qui bail garantie transition politique là d'après ça il dit et pral monter après et Jovenel Moïse qui était pouvoir il dit c'est va n'a cité un modèle dans ça qui concerne transition pays après le vivre qui a placé en bas vigilance et avec patriotisme citoyen yo li promet en tout monde qui a bien pour faire partie transition ça moun sa yo yo doit paraître à clair devant peuple là pas gain aucun magouille par exemple faut tout monde déclarer qui bien yo gagne avant pour ta une responsabilité dans transition ça pour tout peuple connaît qui donc c'est transparence d'après ça le promet li lancé un appel par communauté internationale là pour lui demander pour accompagner population dans bataille y a mené pour respect constitution. N'a pas de porte-parole secteur démocratique et populaire mettre André Michel dans conférence pour la presse jeudi à côté Hervé Noël te présent pour Radio Kiskeya. C'est pas pour transition même gens ça que qu'on fait déjà au désordre nèg gap gaspiller cobre tant que Jean Matéli fait avec Jovenel pendant 10 ans au fait sous pouvoir. Ce sera une transition de rupture, une transition coupée fâchée, non partisane, équilibrée, participative, placée sous le signe de la vigilance citoyenne. En transition côté nous pral mettre l'ordre dans finance l'état. Faut nous qu'on qui machine au ministre à pouler. Faut que pays a connait combien cope gaz l'état ba ou chaque mois pour machine noir si obligé bon machine. Faut qu'on combien cope qui dans budget subvention chaque ministère. La population doit le savoir. C'est ce que nous appelons une transition de rupture. Et comment on distribue subvention hein? Est-ce qu'on sous ces monde la Tibonite, sous ces monde Jacques Mel, sous ces monde Port de Paix, sous ces monde Port-au-Prince, ces monde organisation pour seulement ba tout subvention hein? Bref, je pense que il y a le de croire.
il y a lieu d'espérer que nous aurons dans ce pays une véritable transition de rupture, une transition coupée fâchée qui permet nous sortir dans l'obeil. Nous sommes là, dans l'obeil PHTK là, nous là pendant plus passé 10 ans, dans l'obeil nous sommes depuis au fin assassiné Papa Nation, hein, pour nous rentrer vraiment dans la modernité politique, dans la modernité administrative. Il y a des gens qui disent, des gens qui sont en opposition pour l'élection, comment? Aujourd'hui, le principal obstacle à l'organisation des élections en Haïti s'appelle Jovenel Moïse. Comment t'as fait? Et là, je m'adresse à la communauté internationale. Comment t'as fait, dis-moi, pour mal l'élection avec un nègre qui était président mandat finir le pouvoir? Mais ce n'est pas possible, soyons sérieux, aurait dit le professeur Maniga. Comment t'as fait, dis-moi, pour mal l'élection avec un nègre qui mettait gang dans tout le pays? Même dans le département Sorel-Jacinthe, dans la grande danse, les Irois, monsieur mettait gang. Mais ce n'est pas possible. Faut pacifier le pays. Comment t'as fait parler de l'élection avec un conseil électoral qui a 9 membres PHTK là-dedans? Ce n'est pas sérieux. Aujourd'hui, le principal obstacle à l'organisation des élections en Haïti, la communauté internationale doit le comprendre, c'est Jovenel Moïse, c'est ce pouvoir anticonstitutionnel. C'est ça la vérité. Mais transition, hein? L'Elfine fait toute réforme. Yo. Transition a fait élection, libre, honnête, démocratique, pour nous renouveler personnel politique là de manière démocratique. Bref, aujourd'hui, la communauté internationale doit comprendre la nécessité d'accompagner le peuple haïtien dans cette bataille pour le respect de la Constitution et la réussite de cette transition qui est devenue inévitable. Voilà, Maître André Michel, dans la conférence pour la presse. Artiste engagé Kléber Bastien, rappelé secteur opposition, et jeudi, il parlait de enterrement. Et militant politique Romario Saint-Rilus, la police te bat jusqu'à ce que l'Iran dernier souffle l'hôpital. Et il parlait tout de Ronald Dufresne, Negaxam, te assassiné, il dit c'est partisan tête calée qui boulait à toute motocyclette là dans Delma 95. C'était jour manifestation 14 février qui se passait là. Et il fait connaître très l'amour PHTK, il déraillé, il pas suspendre mettre de l'eau dans la population. Et peut-être population a défendre droit politique yo. Artiste engagé Kléber Bastien Keb dénoncé 9 massacres li di régime tête caléa déjà fait dans pays a et pendant mandé population rete mobilisée. Alors que bon côté parle dirigeante force Delma organisation ça qui établi dans commune Delma madame Magali Lacroix et mandé pour dirigeant en opposition tout militant politique mettez tête yo ensemble. Et pour intérêt personnel pas remporter la victoire et sous intérêt collectif et dans cadre bataille engagement pour rejoindre bout Jovenel Moïse mandal fini mais qui était croqué dans palais national là youn après l'autre n'a attendé artiste engagé Kléber Bastien à dirigeante organisation et force Delma madame Magali Lacroix toujours dans conférence pour la presse à côté Hervé Noël était présent pour Radio Kiskeya. Jodi a nou enterre et Romario, nou enterre et Dufresne et n'a crié la mort et Olsmina que et yo te kidnappé ou tué. En tout cas, et si n'a regardé et trois moun sa homme se dit là, nous connaît Romario c'est SWAT qui kembel Delma 67, 47, 48 excusez que yo tué, yo bat li tellement il vomissant le mouri. Nous connaît Dufresne comment il mouri, c'est un groupe bandi allié PHTK qui kembeli et nan 95 qui boule la tout en moto et nous gien un petit petit 5 ans nous mande qui ça a été fait mais celle ça a été fait te vit à vivre nos pays il fait sous régime PHTK la vivre et puis kidnapper li yo tuer li et bien c'est dit n'a dit nous que gien machine la mort qui sta sous pays depuis 10 ans machine la mort ça l'a effacé adresse il boule kay moun nan quartier populaire yo il fait bandi boule kay moun nan quartier populaire yo. Li fait 9 massacres en dans pays ya. L'elfin fait massacre yo, non seulement li boule moun yo pour effacer identité yo. Ça veut dire son régime, cap effacer identité, cap effacer adresse pauvre malheureux dans quartier populaire yo. C'est peut-être ça nous même qui la journée jodi ya, nous réunis pour nous dire mobilisation yo y a continuer. Président Jovenel mandat fini. Li supposé quitter palais. Jodi a nous li mette yon dictature pour manger moun, touye militant, mette mandat. Derrière tout dirigeant politique, fait au prend exil, n'a gardé Yuri Chevry, côté jodi a c'est en exil lié, n'a demandé tout dirigeant,
tout militant, mettez pieds nous à terre, quittez tout intérêt mesquin nous décoté pour nous retirer Jovenel sous pouvoir. Ennemi nous en, ennemi commun nous en, c'est Jovenel. Parce que je dis à nous, je dis à Jovenel prêt pour le battre nous, pour le tuer nous, pour le kidnapper nous, pour faire nous tout bagay. Parce que mandat fini, li babit li devant pour faire nous salver. Nous dit tout peuple là, rete mobilisé, tout ça qu'a organisé, prend la rue. Voilà, c'était d'abord artiste engagé Kléber Bastien Keb et ak dirigeante en force d'Elma madame Magali Lacroix. Dans même conférence pour la presse, gen Ronnie Timothée, porte-parole organisation sociopolitique Vive Haïti qui te prend la parole pour annoncer un nouveau calendrier mobilisation pour continuer demander Jovenel Moïse respecter maman loi pays à encourager population participer demain dimanche non dans une marche pacifique qu'a fait dans capitale là pour dénoncer dictature et dirigeant Vive Haïti a demandé population accompagner chauffeur motocyclette jour lundi 22 février sans compter mobilisation national cap gain pour organiser jour qui va 23 février cap venir là pour mercredi 24 février c'est une journée sensibilisation à conférence débat exposition photo victime régime sous champ de masse Ronnie Timothée mandé population participer sans garder derrière dans toute journée mobilisation ça yo et préparer pour gros mobilisation dimanche 28 février secteur protestant organisé qui mettait sous pied un comité contre dictature et qui gagne appui divers segments dans société civile là ak dans classe politique là n'attendez porte-parole organisation sociopolitique Vive Haïtien et Ronnie Timothée toujours dans même conférence pour la presse à côté Hervé Noël t'es présent pour Radio Kiskeya. Donc demain nous dit artistes merci, nous dit étudiants merci. Qui kembe la rien et k'ap continuer kembel demain si Dieu veut. Et lundi k'ap 22 février a ap gen syndicat yo et syndicat moto yo qui dit eux même par rapport avec ça qui passé. Comment yo touye youn nan yo, yo va croiser pour être yo. Et me détendé, yo déjà écrit la police et y a prend la rien. Et zone côté yo té boulé eh bien yo chauffeur moto avec toute moto là y a dans zone ça on veut parler de Delma 95 ça veut dire y a là et demander peuple haïtien accompagner chauffeur moto yo. Mardi cap 23 février c'est pral mobilisation nationale ça veut dire c'est tout pays y a pral lever camper sous toute forme toute ça la loi ba nous joue ça comme boussole tout monde doit utiliser parce que loi fait face carré avec sacré les dictatures faut prendre responsabilité ou et chauffeur moto yo tout c'est de voir pour lever campé dans tout pays. D'ailleurs, nous, ce n'est pas monde politique qui a attaqué. Ils ont attaqué autour. Mercredi, nous avons parlé de l'idée déjà qu'il y a une journée de mobilisation, une journée de sensibilisation. Ça veut dire conférence de presse, conférence de bas, exposition photo, tout le bagage qui a fait pour sensibiliser plus de monde, plus de secteurs pour entrer dans la bataille. Même nous-mêmes, au niveau de l'opposition, nous continuons à dialoguer avec l'autre secteur, l'autre monde qui peut entrer dans la bataille pour rentrer là-dedans. Mais on dit jeudi, a gagné manifestation qu'a fait en dans Pétionville et pourquoi pas dans tout pays là ça veut dire c'est mouvement troublé sommeil folie dictateur c'est ça et bien opération ça déclenché on dit vendredi cap 26 et samedi 27 c'est presque même bagarre à la pied c'est journée de sensibilisation on dit sous champ de masse a bien exposition photo a bien opération bat ténèbres a bien différents autres mouvements qu'a fait en attendant que nous rivions sous dimanche cap gros bagarre là qui prend méga bagarre même Jean Théier eh bien dimanche passé il est capable même plus encore donc dans contexte ça nous féliciter eh bien tout le monde qui fait partie de commission ça qui gagne l'église protestante l'église catholique et qui mettait campé et qualité commission ça qui peut permettre eh bien fédération Bao et syndicats qui peut permettre eh bien mobilisation vienne amplifier dans la rue hein? Mais si nous n'a parlé de 28 nous parler de monde l'église qui prend responsabilité yo mais maintenant tout nous dénoncer. Il y a un groupe qui réclame tête de l'église, qui déjà chita par en bas, pour un petit cop dans mes Jovenel pour capable craser ça gain là. Voilà, c'est conférence pour la presse qui te baille jeudi dans le cadre secteur démocratique populaire parmi présence nous t'ai noté par exemple au jeune ancien sénateur Sorel Jacinthe, ancien député Yrick Saint-Cyr, ancien député Emilien Hommage, dirigeant secteur démocratique et populaire Daril Balthazar, dirigeant challenger populaire Réginal Dumé et professeur Gentil Manis, maître Izwik Théophane, avec un pilote militant encore selon reporter nous Hervé Noël.
Exercice droit pour manifester, nous connaissons la police qui tourne un outil dans mes Jovenel Moïse menacé chaque jour plus, n'importe qui manifestation qui pas aucun incident, tant que dimanche la police tire et gaz lacrymogène sur tout le monde et sans que pas faire rien qui passe ça. Et tant qu'on te fait dimanche plusieurs fois et dans Pétionville, et yon responsabilité selon Office Protection Citoyen qui partageait responsabilité ça entre la police et moun k'ap manifester d'après ça le dit dans une note li sorti. Et depuis dans année 80 yo haïtien ak haïtien yo yo manifesté pour faire passer certaines revendications yo si sous régime Duvalier avant date 7 février 1986 peuple en pas capable exercer droit pour manifester de façon libre et libre. Cependant après dictature Duvalier yo fin tombé, eh bien droit pour manifester en Haïti vinn gen l'autre dimension, en pile même dimension dans en pile région dans pays a à cause et par gen mesure ou bien disposition nécessaire qui prend pour capable garantir citoyen ak citoyenne yo pour yo jouir tout et certains droits économiques ak social ak culturel et puis accès à services de base tant kou pour yo gen de l'eau pour boire, bon de l'eau potable, pour yo gen bon jan lumière qui pas propagande, c'est moi qui ajoute éducation et nourriture et développement infrastructure. Face à situation ça et qui sont constant, haïtien toujours PC cap parler, toujours servi et continuer servi encore à droit au gain pour exprimer dans manifestation comme une des principales outils qui capable permettre arriver joindre réponse et dans ça qui concerne revendication yo et à cahier doléance. Étudiant, professeur, ouvrier, paysan, employé dans l'administration de l'État, nous capable dire en gros tout secteur mélangé ensemble, yo pratiquer méthode ça comme outil la loi reconnaître et pour mener un combat face à certaines autorités qui en pile fois pas prend responsabilité de façon totale capitale toujours au PC qui a parlé sous droit haïtien gain pour manifester. Droit pour manifester a li garanti et tout instrument international qui l'a pour protéger droit monde garantit droit ça tout li entré dans la loi pays d'Haïti dans l'asnal loi yo et particulièrement dans constitution pays d'Haïti peuple haïtien te ratifié en 1987 dans article 31 qui dit à clair liberté pour monde faire association pour monde réunir sans que pas gain zam nan main yo et réunion pour faire politique, réunion économique, réunion sociale, culturelle et toute l'autre réunion qu'a faite sans âme garantie. Cependant, faut que faire remarquer exercice droit pour manifester a c'est une responsabilité qui gagne partage entre la police qui gagne responsabilité parle et monde qu'a manifester qui gagne parle selon OPC. Liberté pour manifester pacifiquement sans pas faire des ordres, c'est un droit essentiel dans ça qui concerne expression collectif public et opinion citoyen yo et puis ak défense tout droit moun et qui pa gen anken autorisation yo gen pour mandé avant pour fèl. Excusez, cependant autorité yo yo même yo doit connaître information les gon manifestation qui pral fèt avant le fèt et pour avant le déroulé qui côté la fèt manifestation k'ap fèt dans la rue qui pa cool et yo pa capable interdit à moins que tu aies des raisons fondamentales pour ça, mais qui prévoit pour garantir l'ordre public sans que pas gagner bouleverse qui ca mettre en danger la vie ou bien la police en tant que institution qui là pour garantir pour protéger droit monde et qui en charge pour protéger droit monde et qui a comme devoir pour permettre citoyen jouir de droit ça yo doit pour manifester, li la pour encadrer manifestation by assistance. Cependant, de l'autre côté, excusez, manifestant yo même tout yo gen responsabilité. La loi d'ailleurs fait obligation moun k'ap manifester yo, surtout organisateur yo n'ta di, pour yo notifier la police, y a organiser manifestation et pour bay ki côté manifestation a passé. Réunion dans la rue et sous la voie publique faut gon notification pour voir par autorité la police selon article 31-2 dans constitution haïtienne. D'ailleurs, c'est un principe fondamental
violation principe ça li capable la cause gen dégâts les la police pa gen information et pour konnen gon manifestation kap organisé capable gen événement regrettant capable rivé toujours selon PC c'est pour raison ça selon lui même notification li justifié pour annoncer gon manifestation qui importante c'est pas autorisation non notification et pour konnen ki côté manifestation fait déroulement pour l'ordre et discipline manifestation pas vle di violence faut que respecter bureau l'état faut que respecter droit tout monde tout qui pas vle participer dans manifestation donc c'est équilibre entre responsabilité la police ak manifestant yo et qui capable permettre droit fondamental ça qui c'est droit moun respecter et servir avec violence comme moyen pour faire revendication au passé capable gain conséquences catastrophiques toujours selon OPC sous jouissance tout bon certains en droit fondamental yo particulièrement droit économique social et culturel yo bon côté pal la police doit éviter pour pas faire abus et dans gens l'a servir avec force ou bien brutal pour rétablir l'ordre avec la paix dans circonstances si t'as gain problème dans commencement année 2021 nous enregistré malheureusement dans Port-au-Prince plusieurs attaques qui fait sous manifestation ak sous journalistes qui fait travail et policiers yo même tout selon OPC te subi agression parole piment bouc et ou bien attaque physique menace assassinat et la trier d'après ça dit et gen bureau l'état tout pou commissariat police yo te fait zak vandal sou yo et gen zam police yo te prend à la vel et selon toute logique détruit bien l'état pas yon et c'est pas une perte pour dirigeant yo et qui d'ailleurs c'est toujours passé à passer mais c'est un déficit pour trésor public l'argent nous tout qui dans l'état dans ministère des finances et qui déjà a fait face à gros crise depuis plus que 3 ans à cause trouble politique journaliste yo c'est un acteur ou pas capable passer de yo dans ça qui concernait une démocratie qui a fonctionné avec respect droit monde pendant que yo doit kembe yon certain distance et selon OPC qui obligatoire dans ça qui concerne position y a prend par rapport à manifestant yo par rapport à la police mais yo là pour rapporter tout ça qu'a fait selon principe métier journaliste nan même et depuis yon violé règles de base nan et non compte qu'on l'autre gen problème OPC exhorté tout acteur qui sous échiquier politique là pour respecter et faire promotion principe général qui a à voir exercice droit pour monde manifester droit que toute société civilisée d'après ça dit et accepter respecter et c'est Renan Edouville et qui c'est protecteur citoyen qui signe déclaration ça office protection citoyen notre OPC sous liberté pour monde manifester une liberté qui confisque chaque jour plus côté la police gen l'ordre pour empêcher moun manifester parce que violence non là que la police tire gaz lacrymogène avec abus genre que le fait ça chaque fois gen manifestation c'est lui même qui vient provoquer manifestant yo pour yo capable riposter parce que les voye un gaz toxique directement dans figure qui rentre dans corps qui sont poison et bien divine excité mounyo et data mounyo avec DG yo réagi à tout ça yo gen dans nous assister manifestation déjà depuis plus que 35 ans dans pays a qui passé sans pas aucun problème depuis que la police pas provoqué mounyo faut qu'on peut c'était dit noter pendant dernier temps ça yo la police non bien l'ordre pour craser systématiquement toute manifestation ou tendez à parler de réussite manifestation dimanche temps combien fois le craser la police tirait sous lui plusieurs fois depuis le dérapé pour arriver monter Pétionville. Là, il arrive dans la commune Pétionville là. Il a descend dans rue Rebecca. Il a fini monter dans rue Faubert. Même dans la mi-temps manifestation. Pas de aucun problème. Pas de aucun problème. T'as gagné chanter qu'a voyé. T'as gagné une machine qui t'a gagné son soudi. T'as gagné un animateur. T'as gagné l'autre pour qu'a marché à pied. Tout pour notre pile. Il a marché à descendre puis à prendre route canapé vert. Sans attendre la police arrive dans Kafou et dans Kafou Wirigo non Kafou Rebecca il tire gaz lacrymogène tout pour saisir d'ailleurs il parle pour qui raison pas de aucun rien qui justifie ça
peut-être mon ne pas de droit pour te monter Pétionville, ça sont l'autre bagage. Mais après ça la police pas qu'a dit te go wash qui te voyé te gain bataille te gain rien après ça il continuer li tirer même le tout monde et a courir pour pas prendre gaz a chercher côté pour protéger tête yo la ria blanche te gain deux machines la police une machine et un pick-up qui identifier la police avec yon l'autre ça relé zoreke blanc qui lui même a courir derrière monde a tirer et pendant a tirer a gain monde qui entendait de balles tout ka parti en même temps parce que c'est comportement ça yo doit comprendre la police là pour qui raison la tirer sur des monde qui a manifesté sans que pa gen aucun incident pa gen aucun désordre pa gen aucun attaque c'est après ça attaque pour le fait c'est là la police fin voyer gaz sur moun yo et puis gen moun qui excité bien entendu qui perd du contrôle tête yo et puis dans ça yo même yo débordé yo riposté et pral gen l'autre citoyen qui a victime y a crasé vite machine moun y a crasé vite et caille bureau et mettez zone côté la police n'a fait ça en émoi c'est la police là même dimanche qui t'ai fait des autres là et quoi elle fait plusieurs fois dans plusieurs manifestations la fois premier campé est-ce qu'on connaît quoi besoin de l'eau pour les fonctions m'a salué tout internaute qui a recevoir sur www.radiokiskeya.com quelque soit à côté oyé et tout ça tout qui a recevoir sur plateforme intelligent Birmanie en Asie côté grand coup d'état qui fait environ 3 semaines la police a tiré sur manifestants au bilan gain deux monde qui mouri une trentaine des autres blessés deux manifestants ça yo mouri pendant manifestation journée jeudi t'a fait dans Mandalay qui trouvait dans mi-temps pays hein? Et c'est la police qui recevoir l'ordre pour tirer pendant rassemblement qui t'a fait contre junte militaire qui prend pouvoir qui mettait Aung San Suu Kyi dans prison et c'est plus gros violence militaire fait depuis au fait coup d'état 1er février qui se passait là c'est plusieurs centaines de policiers qui étaient déplotonnés dans après-midi qui étaient dans la nuit l'autre bord dans même de l'autre jour a commencé et sur un chantier naval et dans deuxième ville pays hein, ça qui fait un pile monde peur pour pas gain arrestation un pile employé qui étaient mobilisés contre coup d'état dans chantier naval ça et manifestants yo yo te bat castrol et pour te empêcher yo te arrêter moun grade yo ça yo te gen men yo te voyé sous la police qui te tiré sous yo et deux moun mouri là pour là là dan un petit mineur un petit moun qui pour gen l'âge grand moun li prend balle dans tête et d'après ça Hyang Min-woo et qui c'est chef équipe secouriste volontaire dans ville ça fait connaître sous yon vidéo postée sur Facebook et jeune homme nan li te paraît couché à terre et côté sans tap sorti dans tête li alors que gon moun qui t'a passé et qui te mette main sur l'estomac li et li fait connait qu'elle t'est toujours à battre malgré li t'est blessé dans tête et selon secouris yo moitié dans victime yo et c'est directement balle tout bon la police te visé te tiré sur yo l'autre yo t'est blessé et avec l'autre balle tant qu'en caoutchouc ou bien yo te gagné tout et de l'autre zame tant que pour voyer roche les lance-pierre et sous manifestant yo et balle réel yo est confirmé et un médecin qui a travaillé sous terrain mais qui entré dans foule là qui pas paraître avec blouse sous lui pour pas subir représailles mais qui comme docteur qui était dans mitan manifestation qui dit c'est bon balle et dans une vidéo postée en direct sur Facebook et selon un témoin et tout pour détendre coup de zamio très clair dans manifestation il y a plus qu'une dizaine monde la police a arrêté selon média locaux et après ça yo dit frappé moun sa yo et gen yo madame qui dit yo arrêté Maril devant Gel et Maria pas te fait rien d'après ça le déclaré by AFP du t'a crié et il dit que c'est garder le t'a garder mais soldat yo prend ya lavel et le journaliste te posé la police en question la police te dit pas disponible pour te faire aucun commentaire et donc c'est une autre étape qui franchit là dans violence concernant manifestation yo après la mort d'un jeune et qui a 20 ans mais qui était gagne une boutique les Mia et trois Tekken et qui était blessé dans tête dans manifestation 9 février jeune plan qui fait d'appuyer sous pouvoir pas suspendre mettre pression et faire répression contre tout mouvement qui a fait en faveur démocratie dans pays Birmanie mais peuple
montrer li imaginatif, li inventer toute qualité façon pour le rester dans la rue. Malgré ça, c'est plusieurs milliers de monde qui a contesté coup d'état chaque jour et là-dedans représentant plusieurs minorités ethniques qui habillé à crade traditionnel yo sou yo, yo te descend dans la rue journée jeudi encore dans Rangoon par exemple capitale économique paysan côté yo mandé pour son gouvernement civil qui pour diriger pays yo mandé libération tout pour nous arrêter yo et yo mandé pour abolir constitution ça qui était faite juste quoi et pour militaire et gen 3 semaines depuis que militaire fait prendre tout ça qui renverser gouvernement civil à Aung San Suu Kyi et côté mette un point final dans une transition démocratique depuis 10 ans qui était fragile c'est vrai mais qui te permet peuple à respirer après 50 ans régime militaire et protestation nationale internationale et côté gen l'autre sanction yo annoncé contre général yo pas breeding et connexion internet de temps en temps autorité de facto couper ça fait 6e fois yo couper avant yo rétabli le matin et arrestation yo a poursuivre gen presque 550 moun ko li la ki nan prison responsable politique fonctionnaire qui a fait grève moine activiste d'après ONG qui a porté aide by prisonnier politique yo c'est environ 40 moun seulement yo rivé la gué manifestation yo rassemblé depuis 2 dernières semaines ça plusieurs centaines milliers birmans à travers tout pays hein côté son véritable levé campé qui gagnait yo même prend centre une révolution qui en route avec moigneur les révolutions safran et même ça t'est fait en 2007 mais côté l'armée te réprimé manifestation ça dans 100 peuple birman qui a exigé libération Aung San Suu Kyi. N'a vini la kay pa nou yon extrait nan émission parler pour avancer qui a passé demain après-midi à 1h côté Marvel a recevoir ancien sénateur Jean-William Gentil yon nan dirigeant organisation politique contre peuple. Son opportunité gen là. C'est vrai que on un pouvoir qui était 100% derrière eux pour me dire plus que ça même et puis ou gagne un autre pouvoir qui émergeait là à partir des deux mouvements essentiels gagne Black Lives Matter ça qui fait que qui quand même couvre le coupable li tamper Mac Fabric pouvoir ça monter là et qui lui-même t'est obligé imaginez non pays tant qu'aux États-Unis c'est pratiquement les minorités qui fait équipe ça prend pouvoir. Et pour le prendre pouvoir ça gon série d'engagement qu'il obligé prend que c'est politique que c'est moral avec minorité ça yo qui vinn fait que li vinn obligé tendre moun ça yo donc faut tenir compte de bagay ça pour voir comment ou ka non ka fou côté y a hésité entre maintenu même politique qui était là déjà échanger politique là gien jouet nan mon là pour jouer. Vous comprenez? Et parce que ça, nous, une n'a pas peur, et au sort d'une gueule d'aléa, c'est que, dans sa m'dab des aléas, gon solution unilatérale, une fois de plus, qui est étrangère à Vinbaoula. Parce que de toute façon, m'pa ouais, comment, ni politiquement, ni moralement, quelque part, administration, ça, par rapport avec engagement, bien, j'en comprenne démocratie, qu'a toléré sa cap fait là. Parce que nous, en pleine dictature, et une commission en train de faire de bagailles qui, que tout le monde condamné, ça veut dire, là où pouvoir trouver la situation, lui, fait d'appuyer son pouvoir et puis l'obliger à utiliser la violence, vous comprenez, pour exercer tyrannie, parce que c'est dans ce pays-là, c'est notre tyrannie. Et de jour en jour, au fur et à mesure que la population a manifesté, n'a qu'à désaccord, l'a obligé faire plus d'exaction. Donc, l'équipe, ça, obligé font bagaille. Mais, ça qui, ou bien, pour piper, c'est que lui, effectivement, bagaille li fait, li uniquement contenté de déplacer moun ki sou pouvoir et puis le kembe à peu près même agenda. Vous comprenez? Qui veut dire courir à faire élection le plus vite possible dans même condition que on est. Et laisse à Marvel n'a pas sorti dans crise, n'a pas tombé dans crise pire raide. Donc quelque part gon démarche que nous-mêmes haïtiens ou bien société a dû faire pour nous proposer moun sa yo qui peut-être il y a des dispositions différentes entre parenthèses, comprenez, parce que effectivement yo pa konn fè moun kado bay sa yo pour nous recommander te ka négocier avec yo un new deal ou l'autre façon ou l'autre relation entre les États-Unis avec nous, comprenez, de manière pour expliquer yo ça en train de faire là en Haïti, ça en train de cautionner mais ça en train de supporter là li pa même dans intérêt yo voir pour dans intérêt nous, vous comprenez, donc comment ta ka développer un autre deal
qui pour permettre nous garder qui ça ou même ou voulez faire yo pour nous garder pour nous même qui intérêt là-dedans yo et qui dans qui condition cap pi bon pour nous tout détruire qu'a faire yo ça son bail qui vital dans moment pour nous développer parce que j'en saute dit là décision finale là ou bien clé bagarre là c'est dans main yo lié parce que ça ne pas ca bail tête nous menti nous pas ca et fait travail autriche là cacher tête tout qui était derrière dehors c'est que yo un rôle fondamental son acteur principal pour me dire son acteur fondamental dans crise qui n'gain là faut une stratégie pour yo et stratégie ça c'est pas n'importe qui monde qui ca implémenter on comprend faut que c'est une représentation de société à qui fait ça parce que bon gens va négocier nous deal ça avec il pas pour qui pour parce que il est trop intéressé ou pas crédible. Donc, faut nous une représentation de société, avec de groupes qui représentent les secteurs les plus emblématiques de la société. Qu'elle explique, parce que couloir là, qu'elle explique, monsieur, nous pas un problème pour nous faire élection. Nous pas un problème même pour nous passer dans la constitution. Nous pas un problème, mais nous pas qu'à faire dans la condition de là. Vous comprenez? Et puis, bon, tout un argumentaire qui explique, voilà. Et là, nèg yo gade vre yo, c'est société à gade. Bien content, ou dit, son bagay qui parallèle à mobilisation. Parallèle, c'est deux têtes. Si ou ta chita ou pa bata encore, et puis au fond. Ah non, laisse aller cadeau. C'est mando ou balmando. Même si structure représentative, même si il y a tout secteur qui montre que c'est pays à kap parler, nèg yo ap di, nous habitués tant de pays à parler déjà. Crédibilité. Mais c'est pour ou créer conditions pour attendre ça pays à. C'est ça. Faut attendre ça pays à. Il faut constater au même qu'effectivement ça a demandé monsieur Alba. Mais c'est mon bagage qui a perdu du temps, non? Non, nous pas gagner temps. Là on parle de ça là, moi me connais c'est peut-être objet d'un pile discussion, un pile négociation, un pile échange, mais c'est bon bagage qui n'a perdu du temps, non? Non. Et c'est parce que là, si nous quittons Jovenel pour habitude rester là. La plonge école, lui. Oh, bien sûr. Et fait que vous connaissez quand la KO, ils font première nuit, ils font deuxième nuit. Il va chercher pyjama. Oui, la vina pyjama. Donc, il y a urgence, oui. Mais sans précipitation. Oui. Urgence, là, c'est. Nous pas attendre. Oui. Mais précipitation, c'est danger pour aller faire bailler n'importe comment. Oui, faut pas faire. Donc, mais il y a nécessité pour bailler. Mais, yeah. Et ça, je m'en ai pas en contradiction non, avec. Non, pas en contradiction. Il y a complémentaire. Ça, t'as capable de l'identité particulière chaque groupe. C'est ça. Chaque organisation. C'est ça. Il y a conservé l'identité, il y a conservé le profil, mais il faut qu'on plateforme. C'est ça. Côté que l'intérêt fondamental pays a cristallisé et puis. Où elle dit, mais ça paye à vle. Oui. Et puis ça permet. Paye. Oui, ça permet tout. C'est une organisation. C'est une organisation. Et ça permet tout résoudre le problème que nous avons parlé. Imaginez nous avons différents secteurs qui impliquent nos démarches comme ça. Mais ce n'est pas mon nouveau qui impliqué. Donc ça veut dire tout secteur est obligé, effectivement, de garder comment mettre en mobilisation ça à tout. Par exemple, regardez qui ça à l'église protestante fait. L'église protestante monte comité mobilisation pour contre lui. C'est oui. Un bon bagage en soi, oui. Voilà, c'est sénateur Jean-William Gentil, dirigeant contre-peuple, organisation politique et qui fait partie de plateforme et opposition. Et nous connaissons plusieurs plateformes et des pôles dans l'opposition et qui a exigé pour Jovenel Moïse respecter la constitution et quitter le pouvoir de Chavannes et Jean-Baptiste et qui est dans la même organisation. Et c'est lui-même Marvel à recevoir demain après-midi. À 1h, et ancien sénateur Jean-William Gentil. Non, actualité politique, là, n'a pas retourné avec interview ça, dirigeant Mokrena, ancien député Sadrak Dieudonné, qui était représenté, cité indépendance, dans le Parlement haïtien, 49e, et qui critiquait Jovenel Moïse, malgré mandat fini, il a toujours été croqué dans le palais national. Là. Dans l'interview de Radio Kiskeya jeudi, dirigeant politique là fait connaître Jovenel Moïse kembe pouvoir une façon pour capable organiser élection fomamite et pour capable kembe pouvoir dans élection magouille et avec gagotte pour définir faire avec l'argent d'état toujours besoin de pouvoir responsable Mokrena qui dit il pas compter sur communauté internationale là dans ça qui concernait Jovenel Moïse il était quoi et pour quitter pouvoir. Eh bien, coûte que coûte, il faut que son mobilisation interne,
qui pour bailler résultat ça n'a pas tendance ancien député sa date de donner dans micro Dido parle. Haïti dit comme un malade cancéreux, malade ça pas dans phase critique, oui dans phase très critique, parce que après expiration mandat, président Jovenel Moïse, qui jour dit à son président c'est de facto, son président inconstitutionnel, qui tient le pouvoir avec Rouvoyette, parce que lui amène levier l'État, la police, l'armée, tout ministère, eh bien, président Jovenel Moïse, qui veut coûte que atteindre l'UIA, parce que PHTK est allié. Finalité, il clair tout pays. Son pays a capable de connaître ça. Finalité à qui ça? Finalité à dériver chez mes pouvoirs pour organiser l'élection chanvrelle pour renouveler cette pouvoir. Pour qui ça, ils veulent que c'est eux-mêmes qui organisent l'élection et pour renouveler cette reconstruire cette pouvoir. Parce que tout simplement, ils connaissent, ils font un pile gâchis administratif, ils font pile corruption, ils volent l'argent pays, l'argent pétro-caribé, sous mandat président Matébi et sous mandat Jovenel là, pour ça, ils ne pas voler, ils juger, donc ils veulent qu'ils aient mes pouvoirs. C'est ça qui est finalité. Et pour ça, le président Jovenel Moïse, qui est de facto, parce que même de facto, il dit que le président même, le président Jovenel Moïse, de facto, lui, il prête pour faire toute bagaille. Il prête pour faire toute bagaille pour mettre le pays à feu et à sang. Mais ça que nous connaissons, le président Jovenel Moïse, lui, il croque dans la gorge des Haïtiens. Mais ça, pour le président Jovenel Moïse, qu'on connaît, ça y est, croqué, ça a décroqué. Et même les poissons qui croquent à travers la gorge au monde, nous connaissons quand même. Pour débloquer. C'est un jeune pour le président Jovenel Moïse, le Haïtien qui a expérience. Nous gourmets contre dictateur, nous gourmets contre CNG, nous gourmets contre Henri Nassou, nous gourmets contre Regala, nous gourmets contre Avril, nous gourmets contre Jean-Claude Duvalet qui dit il a pire dans sa coupe de la carte. Et tout nous voyons aller parce que quand pas qu'on allait en exil, c'est président de facto, c'est dictateur qui allait en exil. Nous-mêmes, nous vivons beaucoup là. Premièrement, nous ne pouvons pas compter sur la communauté internationale. Parce que nous connaissons la communauté internationale là depuis l'exploit de 1804, eh bien, les puissances esclavagistes et coloniales occidentales, ils ont juré sur cette vie pour Haïti, par exemple. Pour ça, nous-mêmes, nous ne pas compter sur eux. Parce que nous avons l'habitude là, il y a soufflé le chaud et le froid. Avant ça, nous avons jeune au gouvernement qui était osé pour violer la loi de manière systématique, j'ai appris le Jovenel Moïse à faire. Et j'ai appris le Jovenel Moïse à osé le droit pour dire à changer la constitution. Or, changement en constitution, son projet sociétal lié. Quand la pas capable, pas qu'à tolérer, on va dire comme ça, pour que le président Jovenel Moïse n'a bien pour quitter le pouvoir, parce que c'est pas démissionner, la mode de démissionner, je ne veux pas dire, c'est mandat qui prend fait, c'est mon communauté internationale, là, ou bien les pays de la communauté internationale, qui veut dire, commencer à adresser des critiques à président Jovenel Moïse, c'est parce que la CAIO, il y a de grandes universitaires, comme l'Université de New York, comme Yale University, comme Harvard University, notre université dans le monde entier qui analysait la constitution haïtienne en particulier l'article 134-2 et qui dit mandat président Jovenel Moïse fini, il y a ridicule, on va parler de communauté internationale là, il y a ridicule, ils ont commencé à virer l'anglais, mais c'est pas compté nous même dans le niveau Mokena nous comptons. Voilà, dirigeant Mokena, pasteur, avocat, ancien député Sadiak Dieudonné, ancien représentant de circonscription Gonaïve dans 49e législature, là, tu parles comme ça dans le micro Dido Parent. Responsable parti politique Nouvelle Orientation Unifiée pour Libérer Haïti, nous là, Dr. Louis Gérald Gilles, rete quoi, gagnant évolution dans ça qui concernait la communauté internationale là dans dossier haïtien, et ça, les lignes commençaient à bouger. Là, il a regardé déclaration ambassade américaine, non, qui dit clairement comment une démocratie efficace et fonctionner, faut pouvoir judiciaire indépendant. Cependant, d'après lui-même, faut que communauté internationale là prend position démocratique claire pour dire Jovenel Moïse pas gain place li encore dans tête pays hein, qui c'est une barrière li vinier journée jeudi pour empêcher pays avancer. Dans interview sa Bay Radio Kiskeya et dirigeant politique là souhaitait communauté internationale là et pas arrêter seulement à dénoncer mais faut que fait pression sous poulain yoa pouvoir dictatorial ça qui a bougeonné là rapidement dans pays pour dire mandat fini. N'attendez docteur Louis Gérald Gilles dirigeant nous là t'es parlé comme ça dans micro Laurie Lujeune. Je dis à nous penser tout citoyen haïtien
nous avons gardé avec une certaine confiance, mais en même temps tout, nous pas bail tout propre content par rapport à la complicité que nous avons M. Jovenel Moïse, l'élite président d'Haïti constitutionnel, l'élite président l'idée de la part de la communauté internationale. Là. Nous, elle vraiment, nous constatons que l'union a bougé. Les nouvelles gens ont pointé du doigt des gens. Et son président Jovenel Moïse, déjà dictateur haïtien, a mis pied sous coup constitution, sous coup pouvoir judiciaire là. Les nouvelles tout qui comportement souvent hypocrite de communauté internationale ça a été dit. Et je dis à nous, ils ont commencé à faire M. Jovenel Moïse, ancien président d'Haïti, qui journée aujourd'hui a pour coup d'État le 8 février 2021, l'élite continue le mandat que constitution. On est bien mandat vite coupé. Donc, nous espérons que la communauté internationale là, a continué démarquer de violations systématiques de la Constitution, démarquer de dictature que nous avons jour et jour. Et on doit démarquer de ça, puis au bas, ouais, sont deux poids, deux mesures qui a fait gagner des pays, l'autre pays. Nous, ouais, que je exprime qu'on dictature que le pays ça, alors que jour dit, nous devons constater que nomination trois juges qui fait un pour de cassation, hein, tout le monde connaît que son violation flagrante que lié, révocation quand même dit que juge pour de cassation ça y est. Nous connaissons bien si des juges inamovibles, nous connaissons des attitudes tout simplement qui montrent que le pays d'Haïti en dehors de la légalité, en dehors de la démocratie. Et pas seulement dénoncer pour dénoncer, moi pensez qu'il faut mettre pression qu'il faut pour le pouvoir qui n'est pas constitutionnel, son pouvoir. Alors là, on parle de notre ambassade américaine mettait dehors à côté lui dit clairement que démocratie pour l'efficace il nécessite un pouvoir judiciaire qui est indépendant. Ça t'avait dit il estimé que le pouvoir exécutif là il mettait pied sous coup pouvoir judiciaire là. Il m'a dit ambassade américaine encore une fois, c'est la proposition démocratique que on prend clairement. Faut nous retirer que deuxième lundi de janvier. Proposition démocratique prend clairement veut dire qui ça pour. C'est que n'a rappelé que deuxième lundi de janvier 2020, c'est clairement pouvoir législatif là, de l'autre côté, de côté. Je dis, hein, regardez, ouais, révocation et même arrestation au juge de la Cour de cassation, c'est clairement pour faire ancien président Jovenel Moïse. Nous disons, nous devons reconnaître que M. Jovenel Moïse a été placé dans quel pays, hein, et bien que la communauté internationale, là, que les ambassades, surtout qui ont influence sous président, c'est un pays, à son institution, malheureusement, nous devons constater que on dit clairement à M. Jovenel Moïse que c'est un véritable irritants, ils sont gros barrières à bonne marche institution pays, à bonne marche pouvoir judiciaire là, à bonne marche pouvoir exécutif là. Voilà, dirigeant nous là, et docteur Louis Gérald Gilles, à la tête Conal Nam, Edouard Poultre, fait qu'on est une société haïtienne presque gagné bataille opinion publique internationale là. Pendant les faits, on plaidoyer en faveur plus mobilisation encore souterrain pour forcer Jovenel Moïse quitter le pouvoir. C'est ça dit dans l'interview Libéré Radio Kiskeya. Edouard Poultre fait connaître société civile là, pas accepter Jovenel Moïse installer une dictature dans le pays. N'a pas tendu le micro Joubert Joseph. Ça nous constate, c'est que l'opinion publique dans la grande capitale, yo, aujourd'hui a changé position à travers toutes pétitions et éditoriales, organisations, ont écrit toutes tribunes qui gagnent dans grand média international. Il semblait nous que opinion publique dans grand pays yo a changé par rapport avec Haïti. Haïti vient aujourd'hui a fait de pression de la part de ces grands médias. Donc, moi, je crois que son bon bagage est lié pour nous chercher résolution à crise des pays, parce qu'on connaît que selon moi-même, le divorce entre le peuple haïtien et l'administration Moïse l'y fait depuis 2 ans, depuis le rapport et Petro-Caribé au soutien. Opinion publique haïtienne a basculé contre
présence du président Jovenel Moïse qui vient tourner jeudi à un président de facto. Moi, je crois que la bataille, ça a nous presque, société haïtienne n'a presque gagné ni avec Samoudjo, qui est question média, grand média, la grande capitale, et puis position que l'université américaine yo prend et par rapport à lecture que yo fait de constitution. Donc, opinion publique là, li basculé. Qu'on y a, c'est pour nous essayer, ouais, qu'on y a, qui gens n'a pas concrétiser ça et qui a parlé haut parce que je dis à l'inacceptable pour que gagner un président qui fait usurpation de titre qui était illégalement au pouvoir. Deuxième bail qu'on constate, c'est que effectivement, Washington lui-même pour qu'on prononce les à clair sous pays d'Haïti, mais ambassade là, ouais, qui position la prend, Nations Unies, ouais, la essayer teke et problème non, il faut qu'on change position. Bon, on y a là, l'irrité aux Haïtiens pour y avoir une capacité pour basculer et régime non. Mobilisation a continué, ou est que il y a une convocation qui fait pour le 28 février, pas oublier 28 février, c'est une date qui a rappelé assassinat et exécution de Maître Dorval, et donc ils ont fait une grosse démonstration parce que la société civile n'a pas accepté que le pays a basculé dans la dictature. Jean-Jovenel Moïse voulait basculer le pays dans un régime profondeur. Voilà, ce dirigeant Conan Edouard Poultre, dans le micro, Joubert Joseph. Oui, ambassade américaine fait connaître une démocratie qui est efficace. Il doit gagner un pouvoir judiciaire qui est indépendant, qui a fonctionné. Il doit gagner un parlement qui a fonctionné. Et puis, un exécutif qui a protégé les droits de tout le monde. Et pouvoir judiciaire indépendant, et pas de gagner ingérence pouvoir exécutif la donne. C'est sa principale allié qui kembe Jovenel Moïse au pouvoir jusqu'à présent. Qui c'est ambassade américaine, qui donc gouvernement américain, fait qu'on est hier en sortie d'y faire concernant grève et association magistrale a fait pour dénoncer ingérence Jovenel Moïse et mandat le bout depuis 7 février fait dans le fonctionnement la justice dans le pays d'Haïti, d'y arrêter juge, d'y révoquer juge, d'y voyer à la retraite avant l'heure, alors que même si ton président a fonctionné normalement, les pas gagné pouvoir ça. Concernant liberté publique, yo, liberté pour manifester et respect droit monde, eh bien c'est de nouveau allié Jovenel Moïse qui a dénoncé yo, défenseur plus ak fondation Zanmi Timoun qui prend position et sous dossier ça. D'abord défenseur plus qui te promet un peuple en depuis représentant ni en patte prêté serment dans conseil électoral provisoire Jovenel Moïse mette campé sous pied t'a rappelé représentant ni et puis depuis de ça nous connaît représentant ni vinn président conseil électoral provisoire Jovenel Moïse alors mais ça li prend comme position Haïti violence la police défenseur plus lancé un appel pour respecter liberté publique yo. Collectif défenseur plus organisme qui a fait promotion et qui a défendre et droit monde d'après ça le dit dans notre lien constater et il regrette pour le genre de zak répression et la police a fait dans plusieurs zones dans pays hein depuis mobilisation contre gouvernement reprendre avec mouvement et protestation contre insécurité nous continuer enregistrer de cas zak brutal la police non a fait contre militants politiques selon défenseur plus sorti de simples citoyens et même journalistes pas épanier comportement ça yo attaqué liberté publique yo département ak dynamique démocratique constitution haïtienne 1987 l'en fait promotion pour lui
défenseur plus qui a parlé toujours il fait connaître loi 4 28 décembre 1994 là sur organisation et fonctionnement la police dans pays d'Haïti il fait de entité ça et garant l'ordre public qui là pour protéger et respecter liberté monde vie et bien défenseur plus qui a parlé toujours mais ben, l'a regardé ça qui fait pendant dernier temps ça yo montrer police nationale là chaque jour plus l'a écarté de véritable mission et qui ça yo ouais dans défenseur plus dans son volonté presque systématique la police dans gagner pour réprimer tout mouvement protestation pacifique qu'a organisé des acteurs dans société civile là à faire ou bien des acteurs politiques à organiser dans plusieurs villes tant que Port-au-Prince à Cayenne et droit pour moun réuni droit pour moun associé yo et c'est des droits que la constitution reconnaît yo pas capable et subir restriction que seul ça la loi ta prévoit dans souci pour garantir l'ordre public liberté ak droit moun et selon ça qui inscrit dans pacte international qui concerne droit civil ak politique Haïti signé défenseur plus qu'a parlé toujours il fait qu'on a une voix qui levé pour dénoncer le fait que jodia journalistes yo ciblé yo la police t'en ciblé dans des actes de violence la police t'en fait alors que yo a exercé fonction yo et yo bay comme exemple défenseur plus toujours dans cas deux journalistes qui c'est blogueur Alvarez Destiné ak Jean-Ril Meus qui blessé en babal jou ki te 9 février nan moment la police avec soldat d'après ça dit force l'armée d'Haïti bon nous connaissons l'armée Jovenel Moïse puisque pas gon côté te noté ouais te gon loi que te voté pour réhabiliter l'armée pas de gon cérémonie qui te fait côté tout peuple là te participé pas de gagner doctrine l'armée a publié et puis règle d'engagement ni budget donc c'est l'armée Jovenel Moïse et il parlait de l'armée d'Haïti cap tenté et pour et gayer manifestants sous champ de masse ak un coup de gaz lacrymogène et puis avec zam gen tout cap journaliste Dionalio Chéri ak Johnny Fizeme yo même qui t'ai subi attaque dans main des policiers sous côté manifestation étudiante a fait agent corps intervention maintien l'ordre Simo et à clair et voyer sous machine radio télévision pacifique bonbon gaz lacrymogène alors que à bord machine ça te gagne un groupe journaliste plusieurs médias 14 février 2021 pendant marche certains acteurs dans société civile là t'ai organisé et bien gagne journaliste Fegen Scaneus Paul qui travaille pour Radio Capital FM avec GFT Valérie Basile qui travaille pour ça les médias en ligne et Machanzin Haïti consacré les médias ça et yo te touché en babal caoutchouc agent la police te tiré sur yo pas gen aucune raison selon défenseur plus qui capable justifier de zak sa yo qui regrettable et qui a attaqué liberté la presse qui c'est droit et pour peuple informé et défenseur plus dénoncé d'après ça dit avec fermeté tendance ça et qui sorti pour yo servir avec la police en comme un instrument pour faire politique et ça la fait c'est démocratie haïtienne qui a vinn plus fragile qui a passé en bas pied avec tout un droit fondamental et peuple haïtien rivé raché dans bataille résistance sans prendre souffle menen défenseur plus invité autorité la police plus particulièrement inspection générale police non sans perdre du temps prend décision que obligé prendre en circonstance non pour sanctionner agent la police qui commet jan de zak sa yo pour finir défenseur plus vle pour rappeler la police nan, en tant que auxiliaire la justice ak un pouvoir public yo li doit agir dans limite la loi fixée pendant que li doit servir ak mesure qui proportionnelle si que li obligé en tant que force publique fait ça pour éviter ka violation droit citoyen yo dans période crise politique ça li recommandé conseil supérieur la police CSPN li gen obligation
pour faire tout un policier yo pour ton numéro identification pour ka wè yo à clair et respecter de façon totale capitale tout ça la loi dit dans cadre travail la police dans et c'est Chaïna Etienne responsable assistance légale nous connaît dans défenseur plus qui vignon nouveau allié pouvoir puisque elle t'a dit à clair il t'a voyé représentant al nan conseil électoral illégal Jovenel Moïse mettait campé sous pied elle t'a promettre peuple haïtien si que membre conseil électoral ça pas prêté serment devant la cour de cassation il t'a rappelé représentant nan ça le pas fait au contraire représentant nan journée jodia c'est lui même qui a dirigé conseil électoral Jovenel Moïse. Donc auditeur qui très intelligent a tiré conclusion yo concernant position même organisation ça vinn prend pour la dénoncer propre allié alors que la collaborer main dans la main avec un régime bout dur et puis toujours même secteur fondation Zanmi Timoun et ses dirigeants bien jeune je dis qui en tête conseil électoral Jovenel Moïse non qui met deux mains en tête, li dit li estomaqué, les liwa yo kidnappé puis assassiné une petite fille 5 ans en Matissan. Depuis quelque temps, Fondation Zanmi Timoun dit li constaté Timoun yo vin tourner yon cible en bas main bandi et cap opérer sans foi ni loi dans quartier populaire yo. Machine infernale ça qui déraillé et qui affecté tout pour dans population semblait pas rien carréter pour quoi li là. Après assassinat élève l'école Evelyne Sincère et yo te kidnappé assassin sans foi ni loi te assassiné yo te joine cadavre li son pile fatra et bien journée jodia son petit petite fille 5 l'année qui subit même sort et qui était trouvé sous route bandi malandrin sa yo qui soif sang qui a cherché l'argent facile et maman petit petite ça qui pas capable sécher de l'eau dans yeux les lois yo prend petit terre mande l'argent que le pas jamais moins cependant personne monde pas coûter et surtout pas monde qui n'en responsable qui gain responsabilité dans l'état la justice avec la police yo failli dans mission yo oui c'est fondation Zanmi Timoun et nous connaît qui est-ce qui créé fondation ça puisque c'est dirigeant qui trouvait dans tête conseil électoral Jovenel Moïse là en plus de ça depuis plusieurs mois Zak violence sous ti mineur a augmenté dans pays an assassinat kidnapping et bat ti moun fait viol sou yo c'est aller pour venir ça a fait alors que autorité qui concerné yo yo était impuissant devant bandi sa yo qui gen gros âme nan mais yo cap opéré sans que sauter valeur ka kidnapping yo et qui fait dans zone et Port-au-Prince non ak zone qui tout près a augmenté et parfois yo fait yo et tout et dans diverses unités spécialisées la police tout près yo sans que rien pas arriver moun ka opérer et gros vague violence ça et qui simayé dans capitale l'assemblée journée jodi a la police pas gen réponse pour li la police tan dépassé devant zak sa yo fondation Zanmi Timoun et vle attirer attention elle voulait souligner ça pour responsable la justice avec la police pour faire connaître famille haïtienne pas capable continuer et rester comme ça pour y a kidnapper petit yo y a violer yo et puis c'est compter cadavre yo pas capable encore pour raison ça droit pour sécurité droit pour monde vivre et constitution haïtienne 87 l'en garantie alors que nous connaissons Zanmi Timoun pote collé ak Jovenel Moïse pour enterrer constitution 1987 non et bien c'est même organisation ça qui a mandé pour respecter constitution ça il fait connait crime qui fait sous Timoun ça c'est un crime sans pareil qui fait sous petit 5 ans Matissan dans quartier sud capitale là c'est un crime qui vini en plus qui est insupportable situation sans pareil ça n'a vivre dans histoire et récent en pays d'Haïti vin tourner yon accro et pour population haïtienne nan dans tout segment qui composé nation ça fondation Zanmi Timoun qui c'est organisation k'ap défend et qui a fait promotion droit Timoun quoi et li la li temps pour autorité la justice ak la police
pour yo montrer yo gen volonté ak courage et pour yo attaquer fléau kidnapping ça kap simen deuil nan peyi a et ki a fait fami ayisyen yo vin pi pov. Et c'est Joseph Richard Fortuné, responsable communication donc de second couteau qui signe pour organisation ça yo alors que vrai chef organisation yo même yo prend engagement et bon côté et pouvoir tête calée de facto depuis 7 février qui gen en tête li Jovenel Moïse. Gen des monde qui t'a dit quelle hypocrisie puisque yo connaît organisation ça c'est allié pouvoir tête calée yo yé journée jeudi a et yo prend position sur la place publique côté que y a poté collé puisque il y a le poté collé pour organiser faux élection. Tranche journal ça c'est Autoplaza, Accordia Shipping ak lunetri des 5 continents qui te poté le pour. Ou c'est même côté l'âme, ça fait camper dans ligne. Hey, est-ce qu'on t'entend parler des nouveaux applications Topopla? Zeno Plus offre pi bon prix nan an pile pays. Américain Donald Trump a pris la parole dimanche prochain, mais c'est Orlando en Floride, premier discours depuis le quitter Maison Blanche dans 20 janvier qui s'est passé là. La palais week-end prochain depuis ville Orlando en Floride, et c'est en Floride lié pour premier la parole la prendre depuis le quitter Maison Blanche dans 20 janvier qui s'est passé là. Discours ancien président l'a fait dimanche 28 février dans cadre et CPEC et qui c'est grande messe conservateur américain yo et c'est sa journée jeudi approche Donald Trump fait connait. Donald Trump a parlé de avenir parti républicain avec mouvement conservateur en général selon sa entourage dit fait agence France Presse connait selon AFP ancien président a doué parler de immigration ak politique catastrophique li fait connait Joe Biden qui gagne un mois depuis arrivé dans tête pays États-Unis après il était obligé quitter Maison Blanche non nous connaît t'a contesté résultat élection la caille pas nous gagné commission protestante contre dictature en Haïti qui paraît tout note pour la presse mais ça le fait connait commission protestante contre dictature en Haïti CPCDH qui annonçait tout haïtien ak haïtienne chrétien ou bien simple citoyen l'a fait une grosse manifestation pacifique dimanche 28 février 2021 tout partout dans pays a ak appui initiative nap marché pour la vie hashtag nap marché pour la vie qui regroupe organisation k ap défendre droit moun organisation de société civile là organisation syndicale personnalité et puis ak barreau d'Haïti à travers activité citoyenne ça commission protestante contre dictature en Haïti CPCDH ak instance nous cité là yo voulait prévoir un message clair by communauté internationale là qui c'est patron Jovenel Moïse pour faire songer mandat constitutionnel Jovenel Moïse bout 7 février 2021 et monsieur c'est violé la loi selon article 134-3 Constitution 1987 al pa dwe bay tèt li rallonge dès que mandat fini et tout gen diverses mesures et qui pa cadré ak démocratie continue à prendre en tête pays a et nan élan patriotisme ça et nan jefort tête ensemble ça institution ça yo vle pou di non Haïti pa vle dictature encore non yo pa vle un système qui a généré kidnapping non ak violation constitution ak violation droit moun comme ça et yo rappeler tout haïtien toute croyance religieuse yo gagnen dans quelque que soit religion yo et toute couche dans société et pays d'haïtien pour porter coller pour permettre gros mouvement lever campé ça qu'a fait 28 février et il tourne un gros succès et déclaration ça porter signature pour commission docteur Gérard Forge et révérend pasteur Odin Cadet révérend pasteur Antoine René Samson et puis pour organisation société civile là maître Gédéon Jean
hashtag là et c'est et marcher pour la vie, n'a pas marché pour la vie. Dictature non à commercial gmail.com c'est adresse internet. Yo, puis téléphone tout pour monde qui t'a voulu prendre contact à Pasteur Foy, c'est 509 47 72 68 68 509 et 34 08 79 94 c'est pour Pasteur Odin Kader. Et puis 509 et plus, bien entendu, 509, 47, 57, 74, 48, pour tout le monde qui t'a voulu prendre contact à Pasteur Antoine René Samson. Et puis, pour mettre Gédéon Jean, c'est plus 509, 37, 95, 65, 97. 37, 95, 65, 97. Ancienne coordonnatrice syndicat Police Nationale d'Haïti, SPNH 17, Yannick Joseph, dans l'interview de Radio Kiskeya, a demandé au comité syndicat police non, pour organiser marche pacifique qui était prévu au lieu samedi 27, mais faire le fond seul avec un gros massacre qui pourrait le faire le 28 février, plutôt une façon pour accompagner la société civile là, qui dans la rue, jour ça pour demander respecter la Constitution. D'après ça, et policier l'a fait connaître. Dans l'interview de Radio Kiskeya, ancienne dirigeante en syndicat police non, te tout profiter dénoncer directeur général police non, lui dit qu'il a fait photo avec famille Patrick Anoza, le directeur AI bien entendu, et qui t'a perdu la ville dans mouvement fantôme 509 là, dans un espace lui dit qui pas approprié, qui paraît très laide. La parler de Léon Charles, une autre pas madame Joseph confirmé contrairement à ça. Yon série de secteurs qui proche pouvoir tête caléa a lagué doute que tipitit ça et ol mina Jean Meus qui te gen 5 l'année bandi kidnappé maman son simple marchand pistache yo mandé non dividal l'argent yo touyé l'après une semaine et gen de proche pouvoir tête caléa qui lagué doute qui montré d'abord yo di photo yo metté à ces photo on ti africaine et puis y a exigé pour mettre photo ti moun nan assassiné yo di c'est menti. Alors madame Joseph démenti déclaration sa yo et n'attendel qui t'ai parlé comme ça dans micro Hervé Noël. Match SPNH lancé pour 27 février hein? Pour moi-même il pas pas supposé fait. Pas supposé gagne un seul match qui fait côté que 28 février hein, gagne un match déjà qui lancé pour société civile là gagne un match lancé. Donc minute, tu as supposé mettre tête ensemble avec Massa pour nous capable faire match en réussite vraiment parce que de ça que société civile a demandé jeudi hein, nous tout concernés. La police concernée, syndicat concerné, nous tout concernés parce que son seule population que nous y. Donc il y a politiser la police là, nous même c'est politique là qui pour dépolitiser. Donc on pas veut SPNH là a dit que les politique là, il pas rentrer dans politique. Non. Parce que je ne dis la police a été politisée. L'on comprend qu'un policier a vu, un policier a coupé Canosa, qui fait partie d'une unité qui est vraiment prestigieuse, sans coup, soit parce que soit regardé dans tout le pays, soit tu as bien vivre, il y a avantage sur ce bout. Je ne dis pas que l'État, côté famille, avec toute policière, a vivre avec petit lit qui est petit bébé, dans la crasse, dans la misère. Donc, ça n'a pas supposé faire fierté du tout à directeur général pour la propager mes photos sur les réseaux sociaux. Moi-même, à sa place, je me sens honte. Pour me partager, pour me chita là, pour me faire photo. Je préfère retirer famille policière, elle mettre mon côté qui plus décent. Après ça, qu'on y a, moi-même, moi, t'as venu, m'a fait photo ensemble avec eux. Mais son insulte liée. C'est pour ça tout. À souhait, m'a souhaité que tout le monde branché sous Yannick Joseph SPNH sur la page YouTube, ma live, donc, n'a bien content pour nous parler de ça, bien que Radio Kiskeya n'a pas assez de temps pour nous parler de toute bagaille. Ma live sur Facebook, tout, Yannick Joseph SPNH, n'a pas capable de joindre tout ça que nous besoin. Sous photo, si y a 5 l'année, nous avons pile confusion sur information. Est-ce qu'on a donné sous ça, Yannick Joseph? C'est là de mes gars, mais c'est journaliste Henri Guerrier. Nous avons dit qu'en pile monde a commenté, nous avons dit comme ça que Henri Guerrier dit, petit temps, il n'est pas mort vraiment. Moi, je confirme que si mon ami mort vraiment, moi-même Yannick Joseph, ancienne coordonnateur général SPNH, moi, confirme le. Si petit là, li mouri vraiment, moi t'ai rencontré avec maman petit là, avec grand petit là tout. Moi des photos côté que ti moun nan li nan moi même moi pas quoi que Radio Kiskeya a passé des bagailles qui flou. Depuis on bagaille ka passé sur Kiskeya, c'est parce que li sont li vérifié. Merci madame Joseph, et ancienne responsable syndicat
et police non madame Yannick Joseph dans interview ça effectivement nous rencontrer ak maman timoun nan et timoun nan li mouri effectivement contrairement à doute une série de secteurs qui proche pouvoir de facto tête calé a plagué concernant dossier ça qui t'a voulu montrer c'est une manipulation nous connaissons de l'autre citoyen et qui fait information nous bail confiance et qui fait tout fait confiance et qui était mobilisé pour ride maman qui sont marchand de pistache Nadej son marchand pistache qui a 5 petites et ses derniers petites là et il est pas capable élever petite yo li si bien yo gagne nan gagnen qui nan orphelinat gagne le barret ak moun c'est ça l'expliquer nous mais ti petit ça il était kembel et papa mouri et il est pas capable payer quoi kidnapper te mandé c'est devant jail yo kidnapper ti moun nan pendant t'a jouer ak l'autre ti moun c'est terrible. Nous pral pran yon extrait nan émission intérêt public qui a passé demain matin. C'était une émission en continuation, quoi qu'on dit dans le Parlement ou bien dans la justice, gens que nous te dit. Tout le monde qui pouvait la patte là, mais il y a des gens qui étaient là. Par exemple, Maître Sonnel Jean-François était présent et docteur Jean-Fizemé pour t'exposer 14. Et point chantier li kwèk de gagner dans quatre transitions et puis puisque Lionel Touré pas capable là Ted syndic te répondre présent mais malheureusement sénateur Sorel Jacinthe nous t'étonné li pas arrivé donc n'a tande yon extrait dans émission intérêt public ça qui c'est deuxième partie émission nous pas fait ça souvent et parce que nous pas de frustrer auditeur yo qui t'ai besoin contre 14 points et docteur Jean Fizemea n'a pas un extrait dans l'émission ça qui a passé demain matin à 8h. Le m'a regardé mouvement Jovenel ça rappelé définition que Antonio Gramsci bail de en crise. Il dit en crise c'est un entre deux entre un ordre ancien qui doit disparaître et qui sentit la disparaître mais qui a résisté toujours et un ordre nouveau qui a privé tant qu'on maman qui a pris la coucher mais qui faut qu'on finisse prendre naissance. Constitution pays hein, qui clair là-dessus qui dit que mandat président de facto actuel là l'ancien président Jovenel Moïse finit au 7 février 2021 mais il résistait il dit contrairement à sa constitution on dit m'pa pour aller. Pour le capable d'arriver à maintenir un discours, ça, Liliane Sobdili, li tyrannise nous, li intimide nous, li arrête moun, li utilise, n'est-ce pas, violence policière, en sorte que le maître mot à retenir, c'est que l'ancien président Jovenel et le président de facto Jovenel Moïse, li installé yon tyrannie. Or, là où nos contextes de tyrannie, ça c'est important, ça nous va le dire là, l'État ne doit plus avoir le monopole de la violence parce que tout ça, yon chef d'État de facto fait, li frappé d'illégalité, ordre que le bail, li frappé d'illégalité aussi, li disposait de trois ressorts. L'ambassade américaine, deuxième ressort, c'est les nerfs de la guerre justement, c'est l'argent, c'est monde d'affaires yo. Qui était investi dans la campagne Jovenel et qui continuait bénéficier des n'est-ce pas de plusieurs contrats et donc courroie de corruption troisièmement puisque Jovenel disposait des moyens de l'État dans Meni, donc il est capable de gâter, n'est-ce pas, les forces répressives, n'est-ce pas, la police avec diverses unités. Donc ça c'est ça que nous gagnons en face nous comme état de lieu. Comment n'a pas le fait pour que effectivement Jovenel aller comment ou parvenir au pouvoir. Tout le monde qui connaît la réalité haïtienne, tout le monde qui connaît les chiffres haïtiens et tout le monde qui échange avec des membres qui soi-disant étaient représentés, si vous voulez, le corps groupe et puis des institutions tant que l'ONU, l'OEA, ils tout connaît que Martelly pas été admis au second tour. Ou pas capable d'im pour que mal participer dans l'élection comme si m'était dans état de droit, comme si règles étaient transparentes, comme si règles étaient les mêmes pour tous, tandis que DAPP. Donc si ou mandem pour m'entrer dans jeu ça ou même ambassade américaine, si ou mandem pour m'entrer dans jeu ça ou même président de facto, c'est qu'on déjà connaît, on va pas le faire de moins, n'est-ce pas le dindon de la farce. L'État haïtien depuis un certain temps depuis 1915, d'ailleurs, il y a un effort que les États-Unis d'Amérique ont fait pour que c'est eux que l'État
Et laissez que l'État, et difficulté au gain jodia, c'est difficulté là où avec les constitutions, c'est comment adapter ces constitutions pour que eux-mêmes yo ka diriger l'État légalement. Géré l'État à travers des intermédiaires, des mouns qui disent chef l'État que yo yé, alors que c'est des mouns qui nommés, c'est des mouns que yo ka révoqué. Et contrairement à ce qui est renversé, moi-même plus quoi, les départements d'État ou bien les États-Unis d'Amérique décident que on est qui chef d'État ici, a pas chef d'État, quoi, pas renversé, il révoque. Et moi-même, aspect ça, nous avons développé plus devant pour nous capter. Parce que de plus en plus, difficultés que nous avons là, ils sont évoqués. L'opposition, l'embêté, un président. Et pour, comme si pas mettre un président, il y a des gens qui pourra le faire et transition et que vous avez besoin de faire. Mais pas président provisoire que vous désignez. Là, ça me comprend, là, ça me dit. Mais en train de dire, c'est parce que sous ce pouvoir politique pays, a, pas en deux pays. A. Et c'est plus gros difficulté. A. Même gens, ils ont baillé mon pouvoir, ils mettent au président parce que dit au président, et donc on nous rappelait l'élection qui j'ai fait, nous dit qui est-ce blanc, baillé mon pouvoir. Mais sous ce pouvoir, il l'emmène. Et à tout moment, il prend une décision pour le prendre. Et si nous ne posons pas de problème comme ça, nous ne pouvons pas comprendre la difficulté que nous avons gagné, par exemple, pour voir le président aller. Parce que deuxième haïtien, et pas première. Oui, parce que. J'ai arrivé sous pouvoir, il est arrivé dans la contestation. Justement, il est tout dans une situation deuxième, c'est 2014. Et justement, ça a été plus facile pour révoquer. Parce que l'autre problème qui est fondamental pour nous dire, il faut nous rappeler que base l'État que nous avons gagné, là, l'église te prend position officielle sur une question politique, il te gagne poids. Les gens disent à l'église prend position politique, n'a pas essayé bal poids dans la société pour nous faire un souffle, pour nous faire une bataille à mener. Mais pas gagne poids politique qui te gagne vent. Parce que l'Américain, justement, dévidé de capacité de constituer de l'État. Oui, mais il y a pas la méterne de l'église. Mais si tu veux, mais pour nous juste finir ça, c'est bon, Gadou, la question des hommes d'affaires posée comme base de l'État, c'est où est-ce que l'on Mounio là a fait business, il a fait l'argent, mais ils ont perdu cette capacité justement d'influencer l'État. Le pouvoir d'État ne dépend plus d'eux. Même si on fait grève demain matin, on fait un potio, l'État va occuper eux. Il y a trop de commerce formel. La situation est fritée ça. Donc, là, il y a une base de l'État qui chappait du point de vue national en termes d'organisation institutionnelle d'un pays. Ça fait que le président que nous nommons, qui président, qui dit chef de l'État, il y a une autorité qui est extérieure à pays, qui prend des décisions, fois que la puissance qui doit supporter pour avancer avec lui. Pas de monde qui monte sous pouvoir ça sans Américain pas entrer dans la question. Donc, sauf nous qui a dit Jean-Bertrand Aristide de façon il lui a pas dit que l'Américain était. En 90, voilà. Oui, mais nous avons dit majorité monde qui est élu comme président dans le pays ça et majorité monde qui chef dans le pays ça, directeur général de police. Surtout, Américain participe dans la nomination autorité ça. Ça nous claire cette question ça. Mais tout nous a dit que en pile nap chef d'État qui renversé yo, Amérique a participé dans l'investissement et tout. Mais pour ça concerne 2004, question Jean-Bertrand Aristide là. Faut admettre que conditions objectives étaient réunies pour Aristide Ali. Conditions étaient réunies comme un président. Façon de Jean lui dit de façon que lui lui avait déjà son contesté. De c'est pas que Aristide pas populaire non. Nous reconnaissons qu'Aristide était populaire, mais l'élection tellement faite de façon maladroite, tu fais le mal, et l'organe de gagné des efforts qu'a fait pour annuler l'élection sénatoriale, députée, etc. Mais Aristide pas d'accord. Donc c'est la contestation qui renforcée. Et bien, il y a pile monde qui part en face à Aristide, qui en face à Aristide Kounia. Et ça peut dégénérer avec une question de chimère, ou que c'est monde qui a agressé monde, etc. Ou c'est des groupes armés, etc. Ça peut compliquer la situation. Mais il faut admettre que ce n'est pas seulement. Menace sur liberté de la presse. Voilà, tu as des questions, ça, tout. Tu as des journalistes assassinés. Il y a un bon monde, Lili, qui était campé, qui t'a mobilisé pour Aristide aller, monde, ça y est. Pas de gain en yé pour yé à secteur privé, pas de gain pour yé avec international, etc. Ni avec Guy Philippe. Voilà, pas de gain pour yé avec Guy Philippe. Son seul de monde qui était vraiment, même gens, ça y est pour nous, on seul de monde qui était fâché façon que gouvernance là, y est, façon que autorité a gouverné, mais ça, violence, kidnap, etc. De Kounia, moun sa été campé. Mais, bon, petit bas, pour ce que je dis là, je me suis dit, il passer sous les tout vite. Et nous, tu es sous l'IAFA, sous songer,
et la fois dernière nous était sous question ça, question de homme d'affaires là. Nous te admettre que homme d'affaires li pas pour continuer lié avec international là. Lié avec des autorités américaines, des autorités canadiennes, etc. etc. Donc, yon même yon pas pour kontyo. Donc, si homme d'affaires lui-même, li du kon sa, secteur des affaires, sa professeur pas d'accord, il dit secteur des affaires, mais faut admettre que le secteur des affaires, yon moun sa pas pour kontyo, yon gen international avec yon, à terre pour yon gen de rencontres avec des diplomates étrangers sous terrain là, et moun sa yon, lè yon face ou, yon ka constituer un poids. Important, il est arrivé à renverser, surtout avec appui international. Non. Voilà, Jackson, émission interrépublique, deuxième partie, pas oublier docteur Jean Fizemé, a bien pour exposer 14 points, dit quoi qui doit faire partie de 14 chantiers qui doit entrer dans le cadre de transition. Donc, nous avons docteur Jean Fizemé depuis Montréal et Ted syndic, et puis nous remercions Ted et avec maître Sonel Jean-François. Rendez-vous demain matin, 8 heures. Plusieurs dizaines d'étudiants université Port-au-Prince, UP, ont fait un marche dans la rue Port-au-Prince, journée jeudi, pour continuer à dénoncer kidnapping. Professeur Maître Abdias Edumé, bandit Axam kidnappé dans la zone d'Elma, et puis a demandé dividal l'argent pour libérer. Étudiants qui demandaient kidnapper libérer au tarif de la sans aucune condition. Te al fait manifestation devant bureau OPC, Office Protection Citoyen, ak ministère de la Justice. Et manifestant yo fait konnen, yo pa ka mande l'État en yen parce que autorité yo tête baissée, yo nan alliance avec kidnappeur. Yo déclaré depuis l'heure yo kidnappé professeur, université a pas fonctionné. Étudiants sa yo te gen nan men yo pankat et pour exprimer revendication yo ak divers slogans qui portaient revendication yo. N'a pas invité à écouter deux nan yo qui te parlé comme ça dans micro Radio Kiskeya. Chaque jour, c'est pas ici, dans le pays. Il n'y a pas besoin de rien. Kidnappé la fête, c'est uniforme, la police la fête. Et on met la fête. Pour les gens qui tapent, mais c'est estimé. Il y a un million de dollars. Prenez le majeur de l'argent. On est à faire formation pour Timoun. Prenez le majeur de quoi. Il paye déjà. Il fait formation pour Timoun. Il paye déjà. Et si vous pas qu'il soit pour le bail. On continue à nous faire quoi pour le bail pour lui. Je dis à la nous décider depuis les béton. En troisième fois, c'est pour nous. Et pour nous contester. Pour voir kidnapping ça va développer dans le pays. Parce que kidnapping ça, il fait tout le monde. Je suis à Thomas Jonasier, l'homme de kidnapper aux amis ou aux professeurs. Même si nous ne connaissons pas, tout le monde sait que nous sommes kidnappés. Nous sommes prêts à nous tirer, tous les jours. Et donc, les jeunes universitaires, les professionnels, quand vous pensez pour le pays, nous servons le pays. Nous pilons les bétons là pour nous dire, nous professeurs estimés. Depuis là, on prend dans l'université, on ne pense pas qu'à fonctionner. Nous demandons, ah bah kidnapping, pour aller taper, faire ça, dire un mot. Non, bah, reste à faire dans le pays. Nous ne pouvons pas donner pièce d'autorité. Qui dit qu'il mesure à prendre pour kidnapper ça. Je ne veux pas, c'est pour ça, nous là. Nous là, dans le béton, l'université reprise. Nous invitons tout le monde qui va accompagner nous. Parce que nous-mêmes, nous, en politique, nous demandons libération et dîmer sans condition. Nous mesurons pour faire ça pour nous travailler. Nous mesurons pour ça parce que nous avons un avec nous pour nous jeunes. Parce que nous libérons. Nous ne devons pas demander de l'ensemble pour libérer. C'est nous-mêmes qui étudions, même qui rançons. C'est nous-mêmes qui peuple, même qui rançons. C'est nous-mêmes qui t'y marchons, qui rançons. C'est nous-mêmes qui tout le monde qui est là, qui fait moto, même qui rançons. Je dis à étudier l'université de Port-au-Prince. C'est nous-mêmes qui nous frappons aujourd'hui. Et que tout le monde est capable de frapper les kidnappings. Et tout le monde net, les gars, apprend. Nous sortons pour nous dire non avec Zach kidnapping. Nous sortons pour nous dire non avec Zach qui a fait dans notre société. Nous sortons pour nous dire non parce que nous sommes pour nous faire un bon travail. Et nous ne sommes pas sortis seulement dans nos universités de Port-au-Prince. Mais nous sortons dans notre toute société à net, dans notre toute communauté universitaire à net. Nous sortons pour nous dire non parce que les kidnappings, parce que les prisons de notre société. Oui, il y a des gens qui sont partis. Je dis à ces universités de Port-au-Prince, nous touchons, nous sortons, non, il va s'allier. Il ne va pas discuter à ça. Discuter à ça que pour nous tous sortis. Ça va chaque coucou très bouge là, pour que ça finisse. Vous dites ça. Vous avez fait coucou, c'est ça fait cabrit, ça fait bœuf, ça fait quelque chose bête lié. Parce que nous tous n'est c'est bête. Ça fait cabrit, ça fait mouton. Parce que nous tous n'est c'est zèbre, nous mangeons. Alors je dis, l'université de Port-au-Prince est sorti. Vous dites non, pour qu'il n'a pas fini dans le pays. Vous dites l'État ça, qui n'a pas qu'à prendre responsabilité là.
s'il n'est pas capable pour le déplacer, pour le bon l'État. Pour nous dire, l'on kidnappe pour le cher, c'est l'école kidnappée. Et qui est surtout pour kidnapper l'éducation dans la société. Qui société fait cette éducation là-dedans. Et l'on kidnappe pour le cher, pour kidnapper l'éducation. Maintenant, nous disons non, faut pas rester à finir dans le pays. Parce que libérer tout le monde qui kidnappé. Et parce que libérer aussi en goutte. Parce que libérer pour le cher à Dias parce qu'on a besoin pour nous travailler. Et sans condition. Et parce que libérer. Nous sommes très pacifiques. Nous allons dans l'arrière pour l'aide directement. Nous allons dans l'arrière pour jusqu'à ce que le kidnapping n'a fini. Et jusqu'à ce que la société a fait mon souffle. Voilà, c'était étudiant université Port-au-Prince concernant professeur Edumé, Abdias Edumé. Il a demandé libération jusqu'à présent par rien. Gonaïve, plus passé une dizaine de chauffeurs taxi moto, t'es organisé un match dans la cité indépendance dans jeudi pour demander autorité pour prendre responsabilité pour freiner les insécurité dans la ville. Manifestants disent pas normal pour pas capable de vivre. Et ça a qu'à sauter chaque jour pour la rue. José Jean-Baptiste pour plus de détails. Il était plus passé une dizaine chauffeurs taxi moto qui t'a manifesté dans la rue Ville-Gonaïve matin samedi 20 février 2021. Pendant 4 nan men, protestateurs yo kap mande pou la paix retourner dans cité indépendance lan, marcher soti Kafou Turenne pour aller devant commissariat Toussaint Louverture Gonaïve lan pour adresser ak force de l'ordre yo di ki doit prendre responsabilité pour bay sécurité pour la vie ka reprendre dans 4e ville pays an. Manifestants yo entré manifestation jodi an dans cadre avertissement yo voye bay autorité yo ki gen obligation pour retirer la pérèse la caille population an. Yon idée. Je dis à nous venir lancer le premier message, nous, bah, directeur, pour prendre responsabilité, parce que va salter, dit nous. Si tout le monde n'est pas capable, pour prendre l'autre monde passer. Nous avons demandé avec délégué, qui a peine nommé. Nous avons demandé avec directeur de la police, avec la justice, qui a pris responsabilité, parce que nous-mêmes, nous besoin de la paix, nous besoin de travail, nous ne pouvons pas mes âmes, nous ne pas voler dans la RIA. Nous voulons pour les élèves retourner à l'école, nous voulons pour professeur le travail. Ça, pas ça, nous disons c'est assez, nous disons c'est assez, nous disons nous bouquons. Et dans le secteur taxi, dans le secteur transport, nous-mêmes, nous venons pour demander la paix. Nous-mêmes, chauffeurs taxi, nous besoin libre pour nous travailler dans Gonaïve. Gonaïve pas fait pour un seul groupe monde. Gonaïve fait pour ni chauffeur taxi, ni Timachan, ni la police, ni la presse, quel que soit mon IA. De pour ce Gonaïve vient, ou libre pour circuler Gonaïve. Je dis à l'anormal pour nous-mêmes, pour nous vivre Gonaïve, pour nous vivre avec caisse sautée. Li pas normal. Nous besoin fonctionner et nous besoin la paix dans la ville Gonaïve. Fondi, coup de zam qui tape chanté en bas la ville, là, paralysé toute activité dans le centre ville Gonaïve pour jouer samedi 20 février 2021. Information qui n'est pas arrivée vérifiée fait état de plusieurs monde qui t'a mené activité yo en bas la ville, qui t'a sorti blessé en bas balle pendant la police ak troupe armée rabotoa t'a toqué kon yo. Gonaïve, José Jean-Baptiste Kiskea. Voilà, n'a pas venu dans Port-au-Prince toujours concernant sécurité à Ricardo Simoniz, directeur salle des nouvelles Radio Mélodie FM, dénoncé dans micro une tentative pour te kidnapper li même ak madame ni dans zone route frère ça passé lundi li parlait de ça passé gen quelques jours pendant li était à négocier funérailles yon proche famille madame ni dans pompe funèbre qui sur route frère la cité Alstéo MacArthur Alma et côté li dit responsable là t'a fait pression sous lui et avec moun qui était avec lui pour te quitter espace là rapidement et tout d'un coup li dit nèg exam te descend à bord une machine vite fumé quoi peuple en dit et puis forcé yo entrer dans cimetière route frère monsieur Simoniz qui t'a fait déclaration ça dans micro nous et hier mandé autorité la justice pour al mener une enquête pour connaître qui rôle ti barrière qui ouvri dans cimetière a joué n'a pas qui t'a parlé comme ça dans micro tonton madame moi mouri brit sou kou nou rend nou la mort pour négocier qui joue qui l'est qui date entièrement après arrivé dans mort Alcéo MacArthur d'ailleurs c'est la toute famille assurée Alcéo MacArthur passé n'importe 7 temps pas jamais venu pour finalement prendre un départ vers nous l'est revenu le 15 février bloc 13h et mais c'était moi même avec madame avec deux petites Loris dit merci qui actuellement toujours dans mort là effectivement qui ça lui dit nous c'est une graine. Combien de monde qui l'a nous dit son seule famille. Il dit, ah, mais au compte, si c'est une seule famille, c'est deux graines de seulement qui ont recevoir, je ne peux pas recevoir quatre monde. Nous dit pas de problème. C'est sous galerie, il y a recevoir nous, il n'y a pas même dans la réception.
parce que yo dit tout le monde qui gagne assurance c'est dehors pour yo et ben nous finalement rete sous galerie al seo vini li di nous dehors nous di nous pas même sous galerie nous descend dans la cour sous adoker là nous sorti elle dit c'est dehors dehors net mettez nous malbo mi académie dit mon son là pas attendre c'est dehors nous nous di nous n'aller bon exactement bon cimetière ça que c'est pas le cimetière là avec entreprise allemande c'est un petit carouage. Et puis, sous côté, il y a une barrière qui l'ouvre dans le cimetière. Cependant, il y a une machine qui arrive vite teintée. Même quand les plaques là, parce que vous falsifiez là avec la boue, comme quoi dire, j'ai 2 000 euros. Mais il y aura les âmes pour faire moi-même avec madame moi entrer dans le cimetière, comme quoi dire, son enlèvement. Parce que, je ne sais pas si les visages sont masqués avec cache-nez bleu et puis ils mettent lunettes dans les yeux. C'est lui comme la police. Les bras ouais green n'est qu'à uniforme la police là c'est les mecs pour courir les nègres qui ont fait discussion pour que les barrières avec l'autre sac en dedans qui était gay pour l'ouvrir si barrières ça tout en face de l'école magistrature dans dominant pour n'y aller à courir les mecs viennent joindre une nègre à uniforme la police qui campait en haut qui bloquait les machines qui t'a gagné pour descendre sur votre frère qui vient faire espace la vie. Nous souhaitons autorité judiciaire premièrement pour y'a font perquisition dans cimetière votre frère là. Qui voilà, Ricardo Simonis. Bien entendu, Miko Nrete Louvri pour pompe funèbre Alceo MacArthur Alma. Dans une déclaration différente dans Miko Radio Kiskeya, M. Edmé Rémy, coordonnateur général Ligue nationale pour la défense des droits de l'homme et l'INADDH, pas caché frustration par rapport à la question de kidnapping. Non. Ka augmenter chaque jour plus sans que pa gen ken réponse autorité ou bay et défenseur doit moun nan mande autorité concernée yo pou di un mot nan situation sa k'ap dépa fini ak pèp ayisyen n ap tande mete Edmé Rémy. Raison majeure qui fait que m passe nan radio Kiskeya et nan moment sa la c'est par rapport avec insécurité l'insécurité qui bat son plein dans notre pays. Aujourd'hui, quand on sort dans la rue, c'est comme si c'est tout simplement on a un mandat de 24 heures. Donc la situation est vraiment difficile et délicate. Et pour paquet de monde qui n'a même kidnappé dans moment ça. Donc nous sentis nous frustrés, nous sentis que nous estomaqués, nous sentis nous pas vivre dans le pays. Tout le monde même qu'on la caille ou pas en sécurité ou dans la rue ou pas en sécurité. Donc nous avons demandé qui ça nous a fait. Je dis, nous passons là dans la radio Kiskeya pour nous faire un cri d'alarme. Nous avons demandé avec le président de la République là. Nous avons demandé avec le directeur général de la police là, qui c'est Léon Charles. Nous avons demandé avec le ministre de la Justice là. Tout le monde, autorité qui impliquée dans la question de sécurité pays, nous n'est pas capable encore. Donc nous-mêmes, nous c'est organisation de la monde, c'est de défenseur de la monde que nous sommes. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas loger de sous ni X ni Y. Mais si c'est nous pour autorité dans le pays et pour nous prendre responsabilité, nous, pour nous permettre que le peuple lui-même est capable de vaquer librement l'activité parce que nous-mêmes, en d'organisation de la monde, nous sommes consternés par rapport à ce qui a passé. Voilà, c'est Maître Edmé Rémy, coordonnateur général Ligue nationale pour défense. Edouard Moun, l'INADDH, qui t'a parlé comme ça, t'a exprimé frustration par rapport à la question kidnapping. Nan. Ça mène nous dans l'opinion citoyenne. Jacques Ndedou Radio Kiskeya l'ouvrir. Semaine ça, il y a une série de rencontres sur l'opinion moun qui vivent dans le quartier populaire. Il y a une fort et national à Corridor Bastia. Jodi a, nous parlons de Kafoufeuille et nous parlons de l'opinion moun par rapport à mandat Jovenel Moïse qui finit. Et qui Jean y aurait situation? Bon, nous c'est un apprenti dictateur. On est qui gonfle folie dictature dans derrière. Et nous connaissons nous-mêmes, et d'après Constitution 1, article 134-2, on dit et mission Jovenel fini, mandat fini, contrat de Bali par les nationales l'a fini. Policier Marie Paquet et puis pour juge Messen, prend trop de transition pour la faire et pour ces Petro-Caribé, pour ces massacres. La saline et puis différents procès que l'argent l'État que nous avons gaspillé depuis 10 ans puis acheté caillou. Eh bien nous-mêmes,
C'est ça fait nous-mêmes au niveau des sanatoriums. Il faut que Jovenel aille pour nous refaire pays. Nous. On ne paye pas qu'à gangsteriser comme ça. C'est gaspillage, corruption dans la boîte d'État. Il faut que Jovenel aille. Mais là, il refuse. C'est encourager le peuple là pour prendre la rue, pour nous sortir, pour nous défendre la constitution et pour nous dire non à la dictature et puis pour nous dire non à la communauté internationale là, qui a supporté Jovenel Moïse. C'est depuis longtemps que coquin vient. Parce que depuis que tout dit, c'est tout coquin même. Et coquin, c'est. Moi, même c'est de sortir. C'est une possibilité pour continuer à faire mouvement. Non, non. Ben, continuez, continuez, mais il n'y a pas qu'à être comme ça, mon cher. Faut bien changer, faut qu'on change, mais faites la paix, il y a quand même. Oh, où est-ce que vous avez mandat, le président? D'après la constitution, 7 février 2016, c'est de commencer à 2021, voilà. C'est 7 ans. Jour pour jour, date pour date, mais c'est fini, date 7. Pas de monde qui a sorti de là. Pas de monde qui a fait de là. Parce que monsieur font des dictature la régler qui fait retenir sous pouvoir ça toujours. Le mandat fini depuis l'article, mais même pas d'en parler. Mais le reviseur, allez jusqu'à maintenant. Ah, mais le terminer, qu'on est cheval en dehors et comme ça, oui. À mettre au code dans le pôle rural, depuis l'Amérique, fouet bouche là. Monsieur pour aller parce qu'on n'est pas parlé c'est américain. Le président dit, bon, on a mis ses affaires en sécurité dans le pays, mais... Le pays est dans une situation de non-retour. Et laquelle situation qui a conduit nous vers un chaos? Parce que normalement, s'il pas conduit nous vers un chaos, c'est seulement bon Dieu créateur qui a venu dire un mot pour nous. S'il pas conduit nous vers un chaos. Parce que normalement, le peuple a une situation côté vraiment lié à bout de système ça. Et le système non lié chronique. Nous avons 217 ans. Parce que l'amour de Saline mène nous ce côté nous est là. Parce que nous avons une petite classe oligarchique qui vient avec le système. Et c'est cette classe-là même, sorti sous des salines. Les pétionnistes qui viennent avec nous côté nous là aujourd'hui. Qui viennent avec nous, parce qu'ils viennent avec une classe économique, machin pays. Eh bien, machin pays, ça, ils ont adapté avec le système de l'État, ça. On seul bagaille, n'est-ce qu'ils manquent dans la bataille. Parce qu'il faut que vous mettez piment dans la bataille. Il faut que vous mettez bon genre, petit sel dans la bataille. Là. Pour battre là vraiment, faites bien. Vous reconnaître que vous avez dit qu'il y a une possibilité pour continuer le mouvement les décampés pour forcer Jovenel Moïse qui était pouvoir. L'inévitable, ou pas qu'à éviter. Il faut que le peuple a levé campé, il faut que le peuple a secoué colle. Parce que normalement, on paye côté kidnapping à battre plein. Parce que tendez un petit monde qui a 5 ans, maman la vend pistache pour ne prendre, pour demander 40 000 dollars américains. Alors que maman qui a vend pistache, elle n'a pas même 5 000 dollars haïtiens. Pour la petit monde, tout fait, lève nous la gueule. Non, pile patra, non, pile patra. Bréa, eh bien mon cher, sans cœur ça, c'est ou bien peuple là, fait ça qu'on est, pour lever campé, pour freiner, courant ça. Voilà, c'est citoyen dans Cafoufeuille, opinion. Et sous régime PHTK, nous connaissons mandat deuxième président de Nambout depuis dimanche 7 février, mais toujours dans le palais national, puisque il contrôle la police là, et il a compté tout sous secteur business, un bon parti là-dedans, dans le pays d'Haïti, qui n'a pas gagné d'expression sur sa capacité, et plus, bien sûr, communauté internationale là, États-Unis en tête. Nous avons là, marchand dans zone toujours dans Cafoufeuille et dans zone tunnel, dans Miko Amos Breville. Ou pas commencer à kidnapper les gens. Mon petit monde là, a 5 ans, il a demandé madame 4000 dollars américains. Il va gagner, mais il a tout fait lui. Il a tout fait lui, en pays. Et puis il y a un président pas dans. Les gens qui ont quitté le pays, ils ont dans le pays, ils ont kidnappé les trois. Ils ont pas arrêté. Si vous avez arrêté, ils ont résisté. Pas de gens qui ont dans le pays encore. Les finis bagailles, ils ont cher. Ils ont commencé à descendre, ils ont remonté encore. Ça fait mal la vie, les gens qui ne respectent pas. La vie, personne ne va respecter. Parce que moi-même, tout le temps, la ville, moi-même, je suis bouqué. Regardez, jeune garçon. Je suis jeune garçon, tout. C'est comme ça que je suis mal ramassé par moi à terre, tout. Parce que ils ont pas respecté. C'est ça qui a dominé. La vie, petite, bon Dieu, qui a dominé moi-même. Parce que nous, côté pour nous crier, pour nous parler, pour nous taper des tireuses. Oui, c'est Moussa qui a mené. Ramasser ça pas pour vous. Malheureusement, la ville. Donc, il y a un sexy femme a traîné. Entre des cadres, elle défouille les kilotes dans derrière, détresse les cheveux dans le cadre. Oui, on ramasse l'argent. Ça fait mal. Parce que moi-même, à l'âge de 20 ans, bonne responsabilité. Kounia, 5 et 6 ans, bakal la ville. Bouquet à la vie, je venais là. Bouquet, oui, bouquet. Baguette, je vais crier encore. Même la baguette passe là-dedans. Mais tout ce moment, nous y est. L'on garde pour garder la douleur. Tout le monde s'est retrouvé dans la boue, dans la fatra. Ça veut dire ça. Et petit bon Dieu, nous tous nous y est. Ou si t'as commencé la chose sur tête, et pour aller faire tout, et puis pour aller au défis aller. M'bouquet à la vie Jovenel là moi-même. M'bouquet encore. Et à la vie Jovenel là. Et bah, il mette le sépare, et bah, il fait tout bagaille cher, et bah, il taxe tout bagaille, il taxe tout grand nèg. C'est Jovenel qui taxe tout grand nèg qui fait la vie en cher. Tout bagaille monte tête nèg. Moi-même, c'est de bire mat, au moins bire mat. Bon, madame, il s'est fini, il s'était de remettre pour voir, parce qu'il campe les eaux, blot, il va remettre, il va remettre mandat, il va pas, il va. Il campe dedans, il dit, hé, il va faire fi. Faut Jovenel, ben nous pouvoir.
Bay moun ba nou pouvoir pou nou virer kòn nou konnya. Bon radio ki sera fò jovenel ban nou pouvoir ban nou pouvoir pouvoir. Ki sa ta do fèt selon? D'après constitution fò jovenel konnen pouvoir le fini pou le démissionner. Ki mwen même m'ap di jovenel, si jovenel pa gen famille, s'il pa gen maman, pa gen famille pou situation ke li mete peyi d'Haïti. Parce que nous-mêmes, nous sommes bons pays, douces, nous dégagons, nous besoin de pays, nous, pour Jovenel dégager, pour le remettre pays, parce que nous ne sommes pas capables encore. Vous finissez de suivre le pouvoir, comment vous comprenez ça? Pour le dégager, bon, nous pays, nous, remettre pouvoir, parce que pouvoir, ce n'est pas pour Jovenel lié, ce n'est pas pays, maman, la papa lié, c'est pour notre pays, bon, nous. C'est nous qui avons acheté sac farine $250, nous avons acheté $660. Et pour Jovenel, nous payons, nous parce que pays nous et pour nous lier. Jovenel vient de nous payer, nous devons aller la quitter nous payer, nous et pour Jovenel, nous payons. Mais mandat fini, il était sous pouvoir. Et mais mandat fini, il était sous pouvoir parce que le peuple a joué avec. Si le peuple a été prendre des stèles, mais il a gagné en bas pouvoir déjà. Ah bon? Oui. Ça pour faire c'est le même pour conseiller le pouvoir. Et mais pour le peuple a mobilisé, pour mettre des graines dans les airs, pour faire Jovenel bas pouvoir. Voilà, ça c'est ma chaîne dans tunnel. Nous t'es toujours dans Cafoufeuille. C'est une série radio qui s'est ouverte et avec population dans zone qui très populaire côté grand pile monde et côté grand pile besoin tout et pas grand qu'une réponse et pour nous qui gens yo ouais situation politique pays a surtout après 7 février 2021. Militant anti-corruption Wisla Alexei Navalny, qui c'est numéro un opposition devant Vladimir Poutine, l'a arrêté dans prison. Ces décisions ça et au tribunal en appel prend qui confirmait décision qui était prise au premier niveau dans la justice russe. La justice russe confirmait journée jeudi en appel appel que Navalny t'a fait. Il a confirmé condamnation. Non seul journée, il a pris deux jugements contre lui. Une pour violation contrôle judiciaire alors que il était dans pays étranger en Allemagne il t'a pris soin parce que il était manqué assassiné il était bal poison quelques temps après dans l'autre procès même justice russe ça il dit monsieur coupable pour diffamation contre Vladimir Poutine bien entendu parce que monsieur est en quelque sorte touillé Poutine qui voulait faire tête passer comme pigro patriote nationaliste qui vient dans pays la Russie qui pas déchepiller bien l'état qui pas voler l'argent il publié un château tu sais puisque château palais et Poutine gagne un côté loin et dans la Russie il y a plus que 100 millions de monde qui visionnait château ça et gagne interdiction pour avion voler dans zone là tout ça bon Poutine qui pas jamais reconnaître monsieur comme leader opposition t'es obligé paraître en télévision pour dire c'est menti monsieur Abay pour lui Abay sous lui ça veut dire sale image et Poutine donc monsieur il est condamné là pour passer 3 ans et demi en camp travail forcé et la justice russe a confirmé journée jeudi à décision ça en appel et côté dirigeant opposition pral passer plusieurs années dans prison et selon un journaliste AFP qui était présent dans audience là juge dans tribunal Moscou qui c'est Dmitri Balachov et cependant réduit un petit crasse peine un mois et demi retiré la donne dans condamnation militant anti-corruption et qui doit finalement passer 2 ans et demi dans prison et audience a été faite alors que la cour européenne droit monde et mandé semaine ça pour Vladimir Poutine libérer militant anticorruption qui a 44 ans et sous tête qui a dénoncé régime russe. Non. Et selon la Cour européenne droit monde, un gros danger pour la vie Navalny et opposant ça qui rivait sauver de justesse et là que te courir avec en Allemagne, si c'est pas ça monsieur tape mourir en bas poison très sophistiqué, il te prend la donne, non? Mais ça pas fait et la Russie Poutine non en rien. Et toute critique ça yo et y a kembe monsieur dans prison d'après ça yo fait connait n'a fini journal là avec une information sportive et concernant japonaise mais qui c'est haïtienne tout Naomi Osaka qui remporté Open australien dans période COVID-19 ça qui pas facile pour être organisé c'est 4e titre li prend dans ça les grands chelem non et depuis il commencé carrière là qui très jeune seulement à l'âge 23 ans et Naomi Osaka paraît irrésistible japonaise dans remporté journée jeudi à Open australien l'elle imposé logiquement
en finale contre yon lot américaine puisque elle t'ai battre légende américaine nan, qui c'est Serena Williams qui pas même connaît si Cariel pas tout était là, il dit de toute façon s'il prend décision ça le pas deal et il bat Jennifer Brady en 2-7 6-4 6-3 et c'est quatrième grand titre Naomi Osaka remporté gonti gonti sans haïtien qui là bon sans haïtien qui l'a tout dans victoire ça puisque li haïtienne beaucoup de papa li japonaise beaucoup de maman et comme ça li vin numéro 2 et selon classement et il était troisième joueuse mondiale qui rivait journée jeudi et remporté la victoire ça alors c'est yo commencé faire de gros articles sous li et gen yon grand article mais longue paraît sous li et après un passage à vide bon li reconnaître li même et tout spécialiste c'est pas meilleur tournoi li jouer c'est pas meilleur match du tout li était très nerveuse mais li fait connait l'elle te remporté US Open nan, et puis avec et Open Australien de pendant li était elle était gros chaise sous dos les tout pour d'abdi li son modèle et yo pral prendre désormais comme modèle li dit il pas senti capoter gros poids ça et puis kounye la li vin en harmonie avec tête li dit li doit lui-même les gens lié lui-même et le monde a dit li ses modèle l'a répété yo gen 500 l'autre joueuse que capable prendre comme modèle même Javel mais est-ce que Cariel dérapé la net est-ce que l'a gagné sous toute surface sous gazon sous terre battue et li pourquoi connaît li dit par exemple jouer sous gazon mais peut-être sous terre battue mais de toute façon le pas pressé et yo mande et ki Jean Louel nan prochain année k'ap vini la yo li dit ta remen pour la jouer tennis nan jusqu'à ce que yon ti fi tout petit k'ap gade l jounen jodi a ki ap suiv li ki prenn comme modèle et puis demain ki ta di que n te kon admire l'autre ap jouer jounen jodi a vinn jouer en face ou même Jean li même il te kon fèl ak Serena et jounen jodi a Serena nan fin carrière a presque 40 ans li même carrière pa ap monté et ça fait deux fois li contrarié projet Serena qui besoin battre un record qui bloqué dans compteur à 23 victoires alors que elle t'a même gagné un 24e. Donc Naomi Osaka sous un nuage, il remporté Open Australien. Nous connaît bon côté famille haïtienne, nous très content et tout Haïti content pour Naomi. Juste avant d'aller gagner Woody Robinson Désir Désir Rudy Robinson qui perdu licence li yo pote pou li li valable jusqu'à l'année 2022 yo pote pou li nan radio Kiskeya n'importe moun ki connaît Désir Rudy Robinson ou bien Rudy Robinson Désir licence ou nan radio Kiskeya voilà Mackinson c'est là nous camper rete sous radio Kiskeya pour ce programme nous dit tout le monde bonsoir.